Bienvenue à tous. Bienvenue vraiment pour ce webinaire organisé dans le cadre du projet Banque Citoyenne Européenne, qu'on va vous expliquer dans un instant. Je m'appelle Stanislas Jourdan, je suis le directeur de Positive Money Europe. Nous sommes une ONG basée à Bruxelles qui travaille sur les questions économiques et notamment les questions de politique monétaire. Donc, on essaie de faire des plaidoyers pour viser à faire que les banques centrales contribuent du mieux qu'elles puissent dans le cadre de leur mandat à une économie plus juste, soutenable et démocratique. Donc voilà pour nous. Mais ce soir, comme j'ai dit, on n'est pas vraiment dans le cadre de Positive Money. C'est un peu un projet à part pour nous dans notre organisation. Un projet qui est lancé par beaucoup de partenaires en France et en Europe. Et donc, qui s'appelle Banque Citoyenne Européenne. Et on va d'abord, dans un premier temps, si j'arrive à faire passer mes slides, voilà, le déroulé de ce soir, voilà. Ça va être d'abord de vous présenter un petit peu ce projet en 15 minutes. Donc voilà, ça va pas être très, 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 très long. Donc Sarah va nous expliquer tout ça. Et dans un deuxième temps, donc comme vous l'avez vu, nous sommes rejoints par Olivier Garnier de la Banque de France. Et donc vraiment, l'objectif de ce soir, ça va être d'échanger avec Olivier qui nous explique du point de vue de la Banque de France quel est le rôle des banques centrales et tout ce qui va avec. Donc on ne va pas y aller tout de suite. On reviendra tout à l'heure dans un instant. Mais d'abord, juste pour vous présenter un peu mieux ce projet de Banque Citoyenne Européenne. Donc, un tout petit mot pour ma part, et après, je vais passer la parole à ma collègue Sarah, puisque donc, c'est environ il y a 18 mois que nous avons eu l'idée de ce projet à Positive Money Europe. Donc, moi notamment, et puis des collègues à l'époque qui sont maintenant plus avec nous à Positive Money Europe, mais qui nous suivent. Donc, l'idée, c'est que nous, à Positive Money Europe, c'est-à-dire qu'on est. On est dans une situation où on est souvent on est souvent en interface, en dialogue avec des députés européens, avec des gens qui travaillent à la Banque centrale européenne ou dans des banques centrales nationales telles que la Banque de France. Et en même temps, notre audience, les gens avec qui on essaie de se mobiliser, de changer les choses, de lancer des débats, c'est les citoyens, ce sont vous qui nous rejoignez ce soir. Et on constate au quotidien un peu ce gap, ce trou béant entre, on va dire, le milieu d'expertise de ce type d'institution et les citoyens qui se posent beaucoup de questions, qui ont beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait essayer de proposer un processus qui permettrait de mettre plus en dialogue ces deux mondes. Et donc, pour ça, on a réfléchi à ce projet. Comme je l'ai dit, on a réfléchi à ce projet il y a 18 mois. Donc, c'était dans un monde très différent de celui d'aujourd'hui. Et en plus, c'était avant même que la Banque centrale européenne, sous l'impulsion de Christine Lagarde, la nouvelle présidente de la BCE depuis un an, avant que Christine Lagarde et la BCE lancent un processus de revue stratégique qu'on va expliquer plus tard, mais qui, voilà, qui en plus, il y a une volonté de la BCE de remettre un peu à plat sa stratégie, aussi de mieux communiquer aux citoyens, de mieux prendre en compte les considérations des citoyens, de travailler sur les questions de changement climatique, etc. Donc, juste pour dire que on est heureux que ce projet, finalement, un peu par une coïncidence, finalement se déroule en même temps qu'il y a une volonté au niveau de la Banque centrale européenne aussi de s'ouvrir. Et donc, c'est aussi dans ce cadre que la Banque de France aussi participe ce soir. Et merci déjà beaucoup pour ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, le but du projet, c'est vraiment de créer un dialogue, d'expliquer mieux la politique monétaire, mais aussi d'engager des débats sur comment les choses peuvent évoluer. Et Sarah va vous expliquer concrètement comment ça va se passer. À toi. Et bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la Banque citoyenne européenne. Alors non, ce n'est pas une banque. On a eu plusieurs fois cette réflexion, mais c'est assez drôle. En fait, l'idée de la Banque citoyenne européenne, c'est en fait une plateforme en ligne qu'on a développée en 5 langues différentes, sur laquelle les citoyens pourront débattre, échanger, voter pour des propositions, pour des recommandations, pour des orientations qu'ils émettront à la Banque centrale européenne. Alors, comme le disait Stan, ce projet donc a été initié par Positive Money Europe. Et en fait, on lance ce projet dans 5 pays différents, dont la France. Il y aura aussi l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. L'idée est donc de permettre aux citoyens de ces 5 pays de pouvoir échanger sur une plateforme qui leur est dédiée. Donc, en termes de chronologie, les débats s'étaleront sur 5 semaines.
là pour la France, vous pourrez voir notamment qu'on a prévu donc la chronologie suivante. Le temps des débats a commencé le 26 avril et se terminera le 30 mai. Sur cette période-là, les citoyens pourront créer un compte sur cette plateforme, lire le contenu et émettre leurs propres propositions, voter pour les propositions de leurs concitoyens, échanger via des commentaires, via des chats privés également. Sur cette période qu'on appelle donc le temps des débats, les citoyens, vous pourrez aussi participer à des webinaires. Alors là, c'est le premier, hein. On propose donc 5 rendez-vous citoyens en tout, dont le premier qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est la première partie, c'est une première phase. Une seconde phase consistera en une assemblée citoyenne. À la fin de ces 5 semaines, 35 citoyens seront tirés au sort pour pouvoir participer à une assemblée qui durera donc qui aura lieu le vendredi 4 juin au soir et le samedi 5 juin au matin. Et durant cette assemblée, les citoyens pourront échanger, délibérer et voter pour une ou deux orientations qu'ils souhaiteraient porter à la Banque Centrale Européenne plus tard dans l'année. Comme on l'a dit, donc ces citoyens seront tirés au sort. Ce ne sera pas Positive Money qui s'occupera de ce tirage au sort. Ce sera notre partenaire Participiz qui travaille en fait, qui est spécialisé dans les outils de participation de citoyennes en ligne. Donc, comme je l'ai dit, cette première assemblée citoyenne en France aura lieu les 4 et 5 juin. Cette assemblée citoyenne aura lieu dans chaque pays. Donc, 35 citoyens dans chaque pays pourront se réunir toujours en ligne pour discuter et élaborer deux recommandations qu'ils souhaiteraient porter. Et quelques mois plus tard, deux citoyens tirés également au sort dans chaque pays se réuniront avec les autres citoyens des autres pays. Donc, 10 citoyens en tout se réuniront aussi en ligne pour échanger sur les recommandations que leurs concitoyens nationaux ont voulu porter auprès de la BCE. À l'issue de cette assemblée donc, citoyenne européenne qui réunira ces 10 citoyens, nous proposons de permettre à deux citoyens, cette fois également tirés au sort, de pouvoir potentiellement, selon également les possibilités avec la crise qu'on connaît, la crise sanitaire, si les conditions sont réunies, on pourra porter ces recommandations qui seront émises à la Banque Centrale Européenne à Francfort au mois de septembre. Alors, pour continuer sur la slide suivante, on va vous expliquer exactement comment on a procédé. Donc, vous êtes tous invités dès la fin de ce webinaire à aller sur la plateforme qu'on a développée, www.europeancitizensbank.fr pour la France. Sur cette plateforme, d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai fait un imprimé écran, en fait, un screenshot de la plateforme, comme ça vous pouvez avoir un aperçu de la plateforme. On est parti en fait de 11 fiches pédagogiques. Enfin, on a développé 11 fiches pédagogiques partant des inquiétudes des citoyens qu'on a identifiées, d'ailleurs en posant des questions à notre entourage. Et donc, en partant de la vie de chacun, vous pourrez, en fait, en partant d'une inquiétude, d'une préoccupation qui vous importe réellement, vous pourrez découvrir en quoi est-ce que la Banque Centrale Européenne a un impact direct ou indirect sur cette préoccupation. Donc, on en a identifié 11, comme je l'ai dit. Il y en a beaucoup d'autres. Nous, on n'a pas voulu s'étendre sur ces inquiétudes. Là, vous pourrez voter et commenter, d'ailleurs, hein, sur la plateforme chaque inquiétude, chaque préoccupation. À partir de ces fiches pédagogiques, on propose 6 orientations que la Banque Centrale Européenne pourrait adopter. L'idée est donc que chaque citoyen puisse commenter, voter pour telle ou telle autre orientation. Et adossé à ces 6 grandes orientations, on a développé 16 propositions qui vont un peu plus dans le détail
et qui pourront en fait s'entrecouper et qui pourront être d'ailleurs modifiées par les citoyens eux-mêmes. Donc vous-même, vous pourrez aller modifier une proposition, l'affiner davantage, et vos concitoyens pourront commenter, l'affiner encore davantage, etc. Et même en rajouter d'autres. Et même en rajouter d'autres, oui, oui, exactement. Exactement. Donc, comme vous le voyez, ah bah oui, ça nous amène à une première question qu'on voulait vous poser. Comme je l'ai dit, c'est l'équipe de Positive Money qui a établi ces 11 grandes inquiétudes. On sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et d'ailleurs, on voulait vous demander un peu, vous qui êtes, qui participez à ce premier webinaire, quelles sont les préoccupations qui vous touchent en ce moment et qui pourraient d'ailleurs, que la Banque centrale d'ailleurs, sur lesquelles la Banque centrale a d'ailleurs peut-être un impact direct ou indirect. Alors, moi, je ne peux pas lancer le sondage, donc voilà. Comme vous le voyez, vous pouvez, donc ce sondage est totalement anonyme. On ne saura pas qui a voté, qui a répondu pour telle ou telle préoccupation. Donc, on va vous laisser un peu de temps pour y répondre, 30-40 secondes. Donc, la question est la suivante. Parmi les préoccupations suivantes, lesquelles vous touchent plus particulièrement? Vous pouvez faire plusieurs choix. Est-ce que c'est l'augmentation des inégalités? L'accès au logement, la question des faillites des petites entreprises, on en parle beaucoup en ce moment. Le remboursement de la dette publique, alors ça aussi, c'est un sujet qui touche, dont on entend beaucoup parler dans les médias. L'augmentation des prix, la spéculation financière, le chômage, le changement climatique et ou le rendement de votre épargne. On va laisser encore quelques secondes pour que chacun puisse répondre. D'ailleurs, si aucune de ces préoccupations ne vous intéresse, vous en avez une autre qui vous semble, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Oui, exactement. On ne prétend pas à l'exhaustivité, mais c'est aussi pour prendre le pouls et voir un peu qui est avec nous ce soir. Et déjà, je suis content parce que toutes les préoccupations ont trouvé des préoccupants, si on peut dire ça comme ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas totalement trompé. Dans cette analyse, enfin dans cette identification des préoccupations. Ok, allez, on avance. Donc, peut-être qu'on va prendre un petit screenshot de ça pour. Voilà, donc on voit que beaucoup d'impressions sur les inégalités, la spéculation, le changement climatique en top 3. Bravo à ces trois préoccupations. D'ailleurs, ah, justement, en fonction de ces préoccupations-là, dès la fin de ce webinaire, vous pourrez aller sur la plateforme et voir en quoi est-ce que l'action de la Banque centrale a un impact plus ou moins direct sur ces préoccupations-là. Quelqu'un qui demande si on peut voir les résultats du sondage. On les partagera peut-être. Après, c'est pas tant. Oui, on pourra les partager, mais c'était juste pour. Il n'y a pas de valeur scientifique, on ne cherche pas à en déduire quoi que ce soit à ce stade. Hein. On sait bien que ceux qui sont là ce soir ne représentent pas. La société dans son ensemble et d'ailleurs l'ensemble de notre processus aussi n'a pas de vocation à, on ne prétend pas remplacer un processus démocratique qui devrait normalement avoir lieu dans la société. On essaie simplement d'apporter de la diversité de pensée et de réflexion dans ce processus et c'est déjà bien. Sarah, je te laisse conclure sur la suite des étapes. Exactement. Donc, je parlais des 5 rendez-vous citoyens. Il en reste 4. Il y en aura un par semaine. Et comme vous le voyez, vous avez un peu un détail des prochains rendez-vous qu'on vous donne. N'hésitez surtout pas, à la fin de ce webinaire, à la fin de ce premier rendez-vous, à aller sur la plateforme et à vous inscrire pour ces rendez-vous. Comme vous le voyez, ils touchent des thématiques... qu'on traite d'ailleurs hein, sur la plateforme et sur lesquelles vous pourrez d'ailleurs débattre et échanger. Je pense qu'on peut passer à la suite. Ok, merci beaucoup Sarah. Je regarde juste, est-ce qu'il y a des questions déjà sur le processus avant qu'on passe à la suite? Il y a une question de Loïc qui demande le 26 avril, la première phase a déjà commencé ou c'est pour l'année prochaine? Donc, non, je pense que c'est juste qu'il y avait une petite erreur dans la slide. Donc, en fait, le processus commence ce soir à 20h01.
puisqu'on sera à l'heure pour terminer ce webinaire, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment aujourd'hui que ça démarre avec ce webinaire de lancement. Et donc, justement, magnifique transition pour vous expliquer un peu l'échange de ce soir, comment on l'a prévu, pourquoi on l'a pensé de cette façon-là. Donc, l'idée, comme vous avez vu, c'est qu'il y aura beaucoup d'autres webinaires, enfin, quatre autres webinaires sur des sujets très divers que Sarah a présentés. Mais on s'est dit que pour que ces échanges soient vraiment le plus fructueux possible, il est pour nous important de créer un contexte où les participants à ce processus, donc vous, nous ayons une compréhension au mieux partagée et une compréhension bonne de, finalement, c'est quoi aujourd'hui le métier des banques centrales, le métier de la Banque de France dans le cadre de la Banque centrale européenne, de l'eurosystème. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que ce premier webinaire soit déjà une soirée qui nous permette simplement de comprendre, d'aider les participants à comprendre le système actuel. Je suis certain que beaucoup de participants entre vous voudraient changer ce système, voudraient le réformer, le faire évoluer. Mais il nous a semblé capital de d'abord partir un peu de ce qui existe aujourd'hui et de ce que font les banques centrales. Donc, pour ça, on est vraiment très heureux que la Banque de France et que Monsieur Olivier Garnier, ici avec nous ce soir, donc bienvenue, soit avec nous pour nous présenter ses activités. Je vais juste, avant qu'on entame, donc présenter, on a prévu ce moment vraiment sous la forme d'un échange. Donc, Olivier a prévu une présentation, mais on va aussi prendre les questions au fur et à mesure dans le chat. On l'a prévu simplement autour de ces trois thèmes, la politique monétaire, les bases, qu'est-ce qui se passe quand il y a des crises, et ensuite, on fera aussi un topo sur l'évolution à venir, puisque, comme je l'ai dit, la Banque centrale européenne a lancé une revue stratégique. Avant de commencer et de laisser la parole à Olivier Garnier, quelques petites règles de conduite, voilà, de savoir-vivre et de bonne entente. On se respecte, on est tous des êtres humains qui méritent tous du respect et de la dignité. Donc, voilà, je vois qu'il n'y a aucun problème jusque-là, mais simplement, voilà, un petit rappel, ça ne fait pas de mal. On n'hésitera pas à intervenir s'il y a des dérapages. Un autre principe qu'on aimerait vous proposer, c'est qu'il n'y a pas de questions stupides. On est tous là pour apprendre. Donc, n'hésitez pas, s'il y a un acronyme qui ne comprenait pas une question, et n'hésitez pas aussi à, voilà, utiliser l'outil de questions-réponses qui apparaît normalement en bas de votre écran Zoom. Donc, c'est comme ça que moi, je vais regarder les questions et les prendre au fur et à mesure. N'hésitez pas, dans la mesure du possible, poser des questions qui facilitent la compréhension de tous, puisque c'est vraiment l'objectif de ce soir. Je pense qu'on part tous avec des niveaux de compréhension différents sur ce sujet et qu'il faut comprendre, et c'est aussi la façon dont on a prévu de dérouler, c'est que avant d'arriver à des points très précis techniques, il faut d'abord que l'ensemble des participants ce soir comprennent le fonctionnement général. Donc, moi, je vais essayer de faciliter ça en prenant les questions un peu par ordre de complexité. Et donc, plus on arrivera vers la fin du webinaire, plus on va aller dans les questions complexes. Mais je crois aussi qu'on va être très humble et se mettre d'accord dès maintenant qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Mais il y aura d'autres webinaires pour aller dans le fond si certains sujets ne sont pas traités exhaustivement. Voilà, sur ces belles paroles, donc j'invite donc Olivier. Merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Vous avez prévu des slides, donc je vais les démarrer, mais peut-être pendant que je fais ça techniquement, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter combien de temps ça fait que vous travaillez à la Banque de France? Quel est votre rôle, votre fonction à la Banque de France? Je suis sûr que déjà ça permettra de se faire un peu une idée de dans quel univers on rentre. Merci Sarah et Stanislas là, de m'avoir convié à cette soirée. Et bonsoir donc à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de participer à cet événement parce que je trouve que cet événement tombe très bien parce que, comme ça a été rappelé par Sarah et Stanislas, là, nous sommes en pleine revue stratégique et un des objectifs aussi de cette revue stratégique, c'est d'aller à l'écoute des citoyens, à l'écoute du public parce que je pense que dans les banques centrales, on peut être eu trop tendance à s'adresser finalement souvent qu'aux experts. Il y a d'ailleurs mon collègue chief economist de la Banque d'Angleterre, Alden, avait dit une fois, les banques centrales s'adressent souvent qu'aux men, MEN, donc pour prendre un acronyme, et par men, il voulait dire M, c'était pour les marchés, le E, c'était un peu pour les experts, les économistes, et puis le N, c'était news, au sens les Bloomberg, Reuters, qui sont un peu souvent les interlocuteurs immédiats
des banques centrales. Et c'est vrai que quand vous lisez un communiqué de banque centrale, souvent, il faut décoder ça. C'est assez compliqué. Et donc, dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous, à la Banque de France, on a lancé depuis le début de cette année une opération « La Banque de France à votre écoute ». J'y reviendrai dans la troisième partie, mais on a tenu un premier événement national début février où il y avait déjà 10 000 personnes en ligne dans un webinaire comme ce soir. Et il y a eu depuis plus de 90 000 vues. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir cet événement. Et on va faire aussi d'autres événements, notamment en région en France. Donc, le timing, je dirais, est tout à fait excellent. Et donc, je vais profiter un peu de cette opportunité-là, comme y ont invité un peu les différentes organisations à l'origine de cet événement, à commencer par donc, la première question que l'on m'a posée, c'est un peu sur les fondements de la politique monétaire. Alors, peut-être que ce que je vais dire, pour certains d'entre vous, ça sera déjà bien connu, pour d'autres, ça le sera moins. Donc, là, on a dit, il y a à la fois pas de questions stupides et puis il n'y a pas non plus il ne faut pas supposer que tout le monde sait tout. Et donc, je crois qu'il est important pour tout le monde de se reposer les questions de base. Et donc, sur les fondements de la politique monétaire, bon, je vais commencer par le premier graphique, là, donc, Stanislas, sur la page suivante, avec le graphique là, de l'inflation. Je pars de l'inflation sur longue période en France, puisque j'y reviendrai, notre mandat, notre métier, c'est justement d'assurer la stabilité des prix, donc une inflation, j'y reviendrai, qui est inférieure mais proche de 2%. Vous avez sur ce graphique-là l'évolution là, depuis sur toute l'après-guerre de l'inflation en France, et vous voyez que sur toute la période, en gros, les années 50 jusqu'au début des années 80, vous voyez qu'on avait plutôt une inflation assez élevée, souvent à deux chiffres, qui explique d'ailleurs pourquoi on a eu l'évolution à la fois donc, en début 1994, là, avec la loi de 1993 qui a donné l'indépendance à la Banque de France. C'est un mouvement que l'on a vu d'ailleurs dans l'ensemble du monde, pas seulement en Europe, pour préparer aussi l'union monétaire, donc avec l'euro en 1999. Et vous voyez d'ailleurs que depuis cette période-là, on a une inflation qui est plutôt proche de 2%, peut-être pas suffisamment proche, j'y reviendrai dans la deuxième partie, mais en tout cas, on comprend en voyant ce graphique-là quel a été un peu le défi des banques centrales au cours des 30 dernières années, en assurant plutôt une évolution des prix qui soit plus raisonnable. Et ça vous donne aussi un peu l'histoire qui est derrière ce qui s'est passé. Alors, sur la diapositive suivante maintenant, pour en venir un peu au statut et au mandat de la Banque Centrale Européenne et de l'Eurosystème, donc vous avez le fameux article 127 là, du traité sur l'Union Européenne qui dit à la fois que notre objectif principal c'est de maintenir la stabilité des prix. Et puis, il y a un deuxième élément qui sera important, et c'est un des points sur lequel nous revenons dans le cadre de la revue stratégique, c'est qu'il est dit aussi que sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, donc le système européen de banque centrale apporte son soutien aux politiques générales de l'Union. Et donc, là-dedans rentrent des sujets du type le climat, les inégalités, l'emploi. Donc, ça fait partie aussi de notre mandat, même si vous voyez qu'il y a une hiérarchie dans notre mandat, puisque c'est sans préjudice de la stabilité des prix. Et puis, alors ça, ce n'est pas dans le traité, mais dès le lancement de l'euro, la Banque Centrale Européenne s'est donné une définition quantitative de la stabilité des prix, un peu comme l'ont fait aussi les autres banques centrales, qui a été précisée en 2003, et un des objectifs aussi de la revue stratégique, ça sera de voir s'il convient ou non d'amender cette définition, mais la définition depuis 2003, c'est maintenir le taux d'inflation à un niveau inférieur, mais proche de 2% à moyen terme. Il y a aussi le mot moyen terme qui est important, ça veut dire qu'on ne cherche pas à être 2% chaque mois ou chaque année, mais c'est bien d'être sur le moyen terme au voisinage de 2%. Alors,
Alors, si je reviens un peu sur ces différents sujets. C'est très important à expliquer, Olivier, justement, parce qu'il y a déjà des questions là-dessus. Donc, et pardon de vous interrompre, mais c'est pour bien expliquer ça, parce qu'il y a déjà deux, trois questions sur le même thème. Donc, pourquoi 2%? Peut-être que vous alliez de toute façon y venir, mais pourquoi 2%? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 1? Pourquoi ce chiffre, finalement? Et une deuxième question qui est très liée, il y a deux personnes qui demandent, notamment Edouard, qui nous demande qui a choisi ce 2% en fait, parce que donc, vous avez bien expliqué que ce n'était pas dans le traité, mais donc c'est la BCE elle-même qui s'applique son propre objectif. Oui, alors sur ces questions, d'ailleurs qui sont celles, on peut mettre la diapositive suivante en même temps, sur ces questions d'ailleurs, bon, qui s'est doté? C'est le Conseil des gouverneurs qui a donné cette définition de la stabilité des prix, donc c'est dans le cadre aussi, c'est le Conseil des gouverneurs. Donc, qui réunit le Conseil des gouverneurs, je vous le rappelle, c'est à la fois le directoire qui est à Francfort sous la présidence de Christine Lagarde et puis les 19 gouverneurs des banques centrales nationales. Donc, c'est ce Conseil des gouverneurs qui s'est donné cette définition et c'est ce Conseil des gouverneurs aussi qui a la responsabilité de la revue stratégique et donc qui décidera s'il convient ou non de modifier cette définition et si oui, comment. Et donc, alors, il y a justement... sur ce pourquoi 2%. Alors, avant de peut-être venir au pourquoi 2%, peut-être sur la question juste avant, c'est pourquoi la stabilité des prix? C'est peut-être la question que l'on pourrait se poser. Et le pourquoi de la stabilité des prix, je dirais, pour reprendre une formule célèbre, je dirais que c'est un peu le ni-ni. C'est un peu, c'est ni déflation, ni inflation. Parce que les deux choses dont on sait, et on l'a vu dans l'histoire, les pires crises, ça a été souvent des crises avec une envolée de l'inflation, avec des... qu'on a vu aussi bien en Europe, si vous prenez dans l'histoire de l'Allemagne, qui a marqué fortement l'histoire de l'Allemagne, mais on l'a vu dans pas mal d'économies émergentes aussi, ou alors aussi des phases de déflation, de dépression, comme les années 30. Et donc, ce sont les deux choses que l'on veut éviter parce qu'on sait que dans ce cas-là, c'est complètement néfaste à l'économie. Aussi bien, là, si votre monnaie perd sa valeur, vous ne voulez plus du tout détenir de sa valeur s'il y a une forte inflation. Et inversement, si vous avez une monnaie qui est, quand vous êtes en déflation, qui elle, plus vous la gardez dans votre poche, plus elle gagne en valeur, dans ce cas-là, vous n'achetez plus, puisque vous savez que si vous attendez un mois pour acheter, votre monnaie que vous avez dans votre poche vaudra davantage. Et donc, dans ce cas-là, l'économie s'arrête et puis on se met à baisser les salaires. C'est une spirale déflationniste. Dans les deux cas, c'est un phénomène de spirale. Quand on évoquait l'inflation, dans les années 70-80, souvent une formule qui a été utilisée mais qu'on peut appliquer aussi à la déflation, c'est la formule du tube de dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois que ça sort du tube, on a du mal à le faire rentrer dans le tube. Et donc là, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Alors, à partir de là, pourquoi 2%? Ce 2%, c'est un peu le compromis entre ces deux risques. Pourquoi la stabilité des prix, ce n'est pas zéro? Parce que si on est à zéro, dans ce cas-là, on est proche du risque de déflation, surtout qu'on sait plusieurs choses. C'est que les taux d'intérêt, j'y reviendrai, mais les taux d'intérêt, ils ne peuvent pas descendre fortement en territoire négatif parce que dans ce cas-là, vous allez préférer, puisqu'il y a de toute façon, vous pouvez détenir du cash, des billets qui, eux, portent un taux d'intérêt zéro. Donc, si on vous dit si les placements que vous faites en banque eux ont un taux d'intérêt qui est, mettons, à moins 2%, plus personne déposera son argent en banque et conservera des billets dans sa poche. Alors, c'est pas justement, on ne sait pas exactement à quel niveau ça se situe parce qu'il y a des coûts pour mettre de la... Si vous conservez chez vous des grosses sommes d'argent, vous aurez peut-être le risque de vous faire voler, des coûts d'assurance, etc. Donc, la borne inférieure, elle est sans doute plus basse que zéro. On ne sait pas trop à combien elle est, mais... ça veut dire aussi qu'être à zéro, d'autant plus aussi que baisser les salaires, si on était à zéro, ça voudrait dire dans certains cas, il faudrait peut-être que dans certains secteurs, il y ait des salaires qui baissent et ça, on ne veut pas. Il y a aussi le fait, une des raisons, quand vous êtes dans une union monétaire comme la zone euro, si on disait l'inflation moyenne doit être à zéro, comme les pays, les économies ne sont pas toutes dans des mêmes cycles, ça voudrait dire qu'il y a certains pays qui devraient être pour faire zéro en moyenne. S'il y en a certains qui avaient 1% d'inflation, ça voudrait dire que d'autres, il faudrait que les autres pays soient en déflation, donc à moins 1. Donc, ça, c'est parmi les raisons. Alors, et après, alors on pourrait dire pourquoi donc, on a pris cette marge de 2, qui est une marge de sécurité, d'autant qu'on sait aussi que les indices de prix à la consommation, ce n'est pas une mesure qui est à 0,1 près. Et toutes les analyses dans le monde montrent que les indices de prix à la consommation ont peut-être tendance un peu à surestimer l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'on prend cette marge. Alors, après,
pourquoi 2 et pourquoi pas 3 ou pas 4, c'est plutôt dans ce cas-là. Ce 2, d'ailleurs, dont je rappelle, qui est devenu aujourd'hui une norme mondiale, c'est-à-dire le 2%, il est retenu aussi par les États-Unis, il est retenu par le Japon, il est retenu par le Royaume-Uni, donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Banque Centrale Européenne. Ce 2%, c'est un compromis. Si vous allez plutôt déjà vers 3 ou 4, on vous dira, mais si c'est 3 ou 4, pourquoi pas 5, etc. Et c'est là où on retombe sur la spirale inflationniste. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une définition. Après, que ça soit 2 ou ça soit 2,5, ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que après, vous, les citoyens, ceux qui négocient leur salaire, ceux qui, les entreprises en fixant les prix, sachent exactement sur, finalement, quel est l'ancrage, quelle va être, à moyen terme, l'évolution des prix. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire sur et cette question de la définition de la stabilité des prix. Très bien. Donc, ça répond, je pense, à pas mal de questions. Et juste pour être bien, pour être sûr d'avoir bien compris, donc, certes, selon vous, ça pourrait être 2,5 ou 3 ou pas trop moins. Ça, j'ai compris que vaut mieux pas que ce soit moins, mais ça pourrait être un peu plus potentiel. En théorie, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que la BCE pourrait décider de changer, du coup. Mais à partir du moment, ce que j'allais dire, à partir du moment où le 2% est devenu, vous voyez, un peu une norme mondiale, on s'est habitué, il y a plus un risque dès lors que vous changez, comme j'ai dit, ce n'est pas ce qui est important, c'est surtout d'avoir une encre. Le gain a changé, surtout qu'on va voir, on a déjà du mal à faire 2%, ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire, bah, tiens, on va viser 3% alors qu'on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à faire 2%. De la même manière qu'en sens inverse, se dire maintenant on retient 1% parce qu'on n'arrive pas à faire 2%, ça serait comme dire, j'arrive pas à marquer des buts, donc j'élargis la taille des buts. Mais donc c'est ni resserrer ni élargir la taille des poteaux là dans le match de football. On garde la même règle du jeu, la même taille des buts, et tout le monde joue avec la même largeur de poteau, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou en Europe. D'accord, mais sans préjuger de est-ce que ce serait une bonne chose ou pas, techniquement, juridiquement, la Banque centrale peut… Juridiquement, oui, c'est pas dans le traité. Alors, plus vous vous éloignez, puisque les traités emploient l'expression de stabilité des prix, plus vous vous éloignez de zéro, dans ce cas-là, plus vous vous éloignez de l'esprit du traité. Donc, il y a quand même cet élément-là. Donc, le 2% par rapport… Et qu'un 3% serait déjà un peu plus difficile à justifier au regard de l'esprit du traité. Alors, l'autre élément, peut-être pour continuer là-dessus, justement, j'allais vous offrir pour préciser sur le mandat, c'est peut-être sur les questions d'emploi, peut-être que je voudrais évoquer, parce que souvent, si vous pouvez mettre la diapositive suivante, avant souvent, ça, ce que l'on nous petite, oui pardon, hein, mais petite, donc il y a aussi des questions sur la mesure de l'inflation. Donc, est-ce que vous avez prévu d'y revenir plus tard ou est-ce qu'on fait un petit point là-dessus maintenant ? Sur la mesure de l'inflation, je reviendrai peut-être à propos de… C'est peut-être puisque ça fait partie des thèmes de la revue stratégique et si jamais d'accord, j'oubliais, à ce moment-là, vous me reposerez la question. Oui, mais les prix de logement, vous disiez tout à l'heure, vous pensez que… Oui, mais ça, on pourra y revenir. Tendance à être sous-évalué. Je pense que les citoyens ont plutôt l'impression inverse, donc il va falloir faire un point là-dessus, mais on y reviendra, c'est promis alors. Oui. Alors, sur peut-être un point aussi que je voudrais évoquer, c'est la question de l'emploi, parce que souvent on nous dit, bon, le traité vous donne comme objectif principal donc la stabilité des prix, alors donc vous avez un objectif unique, alors qu'aux États-Unis, par exemple, la Fed a un objectif dit dual, puisque la Fed a pour mandat à la fois d'assurer la stabilité des prix, mais aussi le maximum d'emplois. Alors, est-ce que ça change quelque chose sur le fond? Donc, ma réponse, c'est plutôt… La Fed, c'est la Banque centrale américaine. Hein, la Fed, pardon, c'est la Banque centrale américaine, donc la réserve fédérale, donc qui est l'équivalent de la BCE aux États-Unis. Est-ce que ça changerait quelque chose si dans notre mandat, on disait vous avez à la fois l'emploi et la stabilité des prix? Ma réponse, ça serait plutôt non. Parce que pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu ce qui est expliqué sur cette diapositive. Nous, lorsqu'il y a un choc négatif donc sur l'économie, donc qui va dans la plupart des cas être un choc désinflationniste. Donc c'est à ce moment-là que la Banque centrale va assouplir sa politique monétaire, par exemple en baissant les taux d'intérêt, donc pour soutenir, pour relancer la demande des ménages et des entreprises. Et donc tout ceci va, si ça marche, donc va relancer à la fois l'activité, l'inflation et donc aussi l'emploi. Donc, vous voyez que quand vous êtes dans une situation de récession,
finalement, il n'y a pas de contradiction entre l'objectif de stabilité des prix et l'objectif de plein emploi. Et sur le long terme aussi, il n'y a pas de contradiction parce que toutes les études montrent que sur le long terme, un des meilleurs moyens d'assurer le plein emploi, c'est justement d'assurer la stabilité des prix, c'est-à-dire d'éviter à la fois ce que j'avais dit, le Dini tout à l'heure, d'éviter à la fois la déflation et l'inflation. Le seul cas où il peut y avoir, mais qui sont des cas un peu particuliers, où l'objectif un peu, il pourrait y avoir une opposition entre l'objectif en termes d'emploi et en termes d'inflation, c'est ce qu'on appelle des chocs, dans notre jargon, stagflationnistes, donc qui font à la fois de l'inflation et de la récession. C'est le cas, par exemple, d'un choc pétrolier, quand vous avez une hausse, une forte hausse du prix du pétrole, comme on l'avait connu, par exemple, dans les années 70. Là, c'est le cas un peu le plus compliqué, d'ailleurs, pour une banque centrale. Dans ce cas-là, l'idée, c'est plutôt de bien prendre en compte, la banque centrale doit prendre en compte, justement, à la fois éviter que ce choc inflationniste se répercute sur les salaires et crée une spirale inflationniste, mais en même temps, éviter aussi l'effet récessif et donc de lire un peu, c'est là où c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, notre définition, c'est sur le moyen terme, c'est-à-dire que même si à cause du prix du pétrole, l'inflation peut monter pendant un certain temps au-dessus de 2%, ce n'est pas forcément pour ça qu'on resserrera la politique monétaire si on identifie que c'est un choc temporaire de type prix du pétrole. Mais vous voyez que le point important, c'est de dire, et je crois que je voudrais un peu tuer cette idée fausse, comme quoi à la fois notre mandat voudrait dire qu'on que notre politique se fait au détriment de l'emploi, et la meilleure preuve en est d'ailleurs que, et c'est ce qui figure à la droite de cette diapositive, dans les estimations qui ont pu être faites via l'impact de la politique monétaire sur l'activité et sur l'emploi, on peut estimer que sur les 11 millions d'emplois qui ont été en net, l'augmentation qui a été l'augmentation de l'emploi dans la zone euro entre 2014 et 2019, donc juste avant la crise Covid, la politique monétaire qui a été menée a contribué à environ plus 3 millions d'emplois, donc la politique monétaire contribue à créer des emplois. Voilà, sur cette partie, peut-être, je ne vais peut-être pas commenter, peut-être juste en allant sur le slide 7, sur le slide suivant pour gagner du temps, peut-être juste pour bien rappeler aussi, puisque il y avait un peu des questions sur qui décide, peut-être sur la prise de décision dans l'eurosystème. Stanislas, encore la diapositive d'après. Pour bien rappeler, comme je l'ai dit, au niveau de la structure, dans l'eurosystème, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne, elle est détenue par les 19 banques centrales nationales et même d'ailleurs plus largement aussi au niveau de l'Union européenne. Vous voyez que, par exemple, sur cette diapositive, la Banque de France détient 20% du capital de l'eurosystème. Que dans la gouvernance de l'eurosystème, il y a le Conseil des gouverneurs, dans lequel, vous voyez, il y a à la fois 6 membres du directoire qui sont nommés là au niveau européen, donc sous la présidence de Christine Lagarde, et puis 19 gouverneurs de banque centrale nationale, ce qui veut dire, vous voyez, que là, la majorité, en quelque sorte, est aux gouverneurs nationaux. Si je reprends l'exemple de la banque centrale aux États-Unis, l'équivalent du conseil de gouverneurs, c'est ce qu'on appelle le comité de l'open market, qui a 12 membres, dont 7 qui sont les membres, donc l'équivalent d'une directoire, ce qu'on appelle le board, qui est à Washington, plus 5 des présidents à tour de rôle des banques centrales fédérales. Et donc, vous voyez que la majorité, là, est aux membres du board, ce qui n'est pas le cas dans la gouvernance de la zone euro. Et puis, les banques centrales nationales, et c'est ça qui est important et qui est le bas de ce graphique-là, c'est que les banques centrales nationales interviennent aussi dans l'exécution de la politique monétaire. Si je prends l'exemple, par exemple, des achats d'actifs, les achats d'actifs dans le cadre des programmes d'achats d'actifs, la Banque de France achète des titres de dette, des dettes publiques, par exemple. C'est la Banque de France qui achète. L'essentiel des achats sont faits par les banques centrales nationales. Et en plus, dans le cas, si je prends aussi, dans le cas des achats, ce qu'on appelle les achats de dettes privées, c'est-à-dire les dettes émises par les entreprises, là, il y a un certain nombre de banques centrales nationales qui avaient une plus grande capacité à intervenir sur les marchés qui ont été sélectionnées, dont la Banque de France. Et ce sont elles qui font aussi
les achats. Donc, une grosse activité, vous voyez, est faite non pas à Francfort, mais est faite dans les différentes banques centrales nationales. Donc, voilà un peu sur cette première partie ce que je voulais dire brièvement. Et donc, s'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Oui, très bien. Donc, il y a une question. Finalement, quel est le lien entre l'inflation et la croissance? Est-ce qu'il y en a un qui entraîne l'autre? Ou est-ce que c'est la croissance qui entraîne l'inflation? Ou est-ce que l'inflation entraîne… Quel est le lien entre les deux? Alors, quand on parle de croissance, il faut bien distinguer deux choses. Quand on parle de croissance, il y a la croissance de long terme, c'est-à-dire que l'économie sur le long terme, elle a un potentiel de croissance qui dépend à la fois, en gros, de la croissance de sa population active, de la population en âge de travailler d'une part, et puis d'autre part, des gains de productivité. Et ça représente un peu la limite de vitesse de l'économie. Donc, si on dit, par exemple, qu'une économie aujourd'hui en zone euro, on va dire, compte tenu du vieillissement démographique, des gains de productivité, supposons, on va dire, en retenant comme estimation que notre croissance potentielle, c'est 1,5% par an. Ça veut dire que si on se mettait à croître durablement à capacité productive inchangée, alors ça ne veut pas dire que ce 1,5% il est immuable, on peut faire justement des réformes structurelles qui vont augmenter ou alors des efforts en matière de formation qui vont augmenter cette capacité à croître. Mais si on a une limite de vitesse à 1,5% et si durablement on essayait de croître à 2 ou 3%, dans ce cas-là, ça serait de l'inflation qui va être, dans ce cas-là, qui ne va pas pouvoir durablement, cette croissance-là, elle ne va pas être durable. Tôt ou tard, ça va conduire à une forte récession. Et en sens inverse, si on a une croissance qui passe en dessous de 1,5% pendant un certain temps, là, ça va faire des pressions désinflationnistes. Et donc, vous voyez que le rôle de la Banque centrale, c'est d'essayer, dans l'idéal, ça serait qu'on soit toujours au voisinage de ce qu'on pourrait appeler le plein emploi de nos capacités de production, c'est-à-dire qu'on arrive à croître sur ce régime de croisière de 1,5%. Après, il y a d'autres politiques qui peuvent essayer via justement les politiques structurelles d'augmenter sur 1,5%, mais dans le cadre, si on retient sur 1,5%, nous, c'est d'essayer, quand on est avec une croissance trop faible, finalement, c'est de stimuler l'économie. Et puis, s'il y a de la surchauffe, parce qu'on sait que ça va mal se terminer, d'essayer un peu de modérer cette économie, de modérer l'économie pour éviter une récession qui ne manquera pas de suivre. Oui, effectivement, et c'est peut-être ça qu'il faut expliquer, justement, c'est avant d'arriver dans les politiques conventionnelles, c'est quels sont finalement les mécanismes par lesquels la Banque de France et les banques centrales en zone euro, quels sont les mécanismes par lesquels elle stimule ou elle freine l'économie? Alors oui, alors par les mécanismes, alors peut-être on peut revenir peut-être sur le graphique précédent, donc le numéro 6, où là vous avez le graphique qui vous donne un peu comment la banque centrale agit. Parce que finalement, nous, ce que on agit par l'intermédiaire à la fois de pouvoir d'action, c'est l'intermédiaire des banques commerciales et des marchés financiers, c'est-à-dire c'est le financement de l'économie, puisque les ménages, les entreprises, l'État se financent soit auprès des marchés, soit auprès des banques. Et donc, nous, on va réguler en quelque sorte le coût et la disponibilité des fonds auxquels ont accès les ménages, les entreprises et puis les administrations publiques. Donc, notamment lorsqu'on veut relancer l'économie, parce que les ménages, les entreprises ne dépensent pas assez, finalement, la Banque centrale, ce qu'elle va faire, elle va, en prêtant davantage aux banques, éventuellement en achetant des titres sur les marchés financiers, elle va chercher à abaisser les coûts de financement. Donc, c'est la baisse des taux d'intérêt pour que, si les taux d'intérêt sont plus bas, à ce moment-là, les entreprises vont peut-être pouvoir investir. Des projets qui n'étaient pas rentables vont le devenir. Les ménages vont pouvoir emprunter pour financer certains achats, et c'est comme ça qu'on relance l'économie. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que la Banque centrale, du coup, c'est le grossiste de la monnaie, dans le sens où c'est la banque des banques, en quelque sorte? Oui, tout à fait, puisque
nous, on est effectivement, c'est par la monnaie que l'on intervient, et donc on assure en quelque sorte la liquidité dans l'économie, parce que s'il y a trop de monnaie, qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de monnaie? S'il y a trop de monnaie, dans ce cas-là, vous n'allez pas faire plus de croissance, in fine, parce que si vous injectez tout d'un coup beaucoup de monnaie dans l'économie, mais si on ne produit pas plus, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? L'emploi ne va pas augmenter, ce sont uniquement les prix qui vont augmenter, ou la valeur de votre monnaie qui va diminuer. Si tout d'un coup, je distribue à tout le monde une grosse somme d'argent, vous voyez que, mais si on ne produit pas plus, dans ce cas-là, les prix vont monter. Et inversement, il y a d'autres périodes parce que les gens ont peur de dépenser et thésaurisent en quelque sorte. Il faut au contraire injecter de la liquidité dans l'économie. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans une économie moderne. Tout ceci se passe plutôt par le jeu des taux d'intérêt. Donc, on monte les taux d'intérêt lorsqu'il y a plutôt une économie qui est en surchauffe. Et puis, on baisse les taux d'intérêt, au contraire, lorsque l'économie est en récession. D'accord, ok. Donc, il y a des questions liées à ça qui demandent quelle part de la monnaie est créée par les banques privées par rapport à la banque centrale. Parce que là, ce que vous venez de dire, c'est que finalement, la banque centrale, est-ce que vous vous inquiétez davantage de la quantité de monnaie ou simplement du taux d'intérêt de la monnaie? Est-ce que peut-être vous pouvez clarifier Les deux sont liés de toute façon, puisque les prix et les quantités sont toujours liés. Par rapport à la question sur les banques commerciales, quand elles vous font un crédit, effectivement, elles créent de la monnaie, puisqu'il y a le fameux adage, les crédits font les dépôts. C'est-à-dire que finalement, vous faites un crédit, avec ce crédit, vous allez, si vous êtes une entreprise, par exemple, vous allez payer votre fournisseur et votre fournisseur va redéposer ses dépôts à la banque et ces dépôts vont permettre à la banque de refaire d'autres crédits au système bancaire dans son ensemble. Ceci dit, et c'est là où ce que vous appeliez un peu tout à l'heure le grossiste, après, c'est que la banque centrale est là pour réguler cette création monétaire que peuvent faire les banques. C'est-à-dire que si on augmente le coût auquel se financent les banques ou la disponibilité des financements pour les banques, dans ce cas-là, les banques vont être moins en mesure de distribuer du crédit. Donc, ce pouvoir de création monétaire par les banques commerciales, en quelque sorte, il est sous le contrôle de la banque centrale. Il y a une question justement aussi qui reflète un peu ce que je viens de dire. Philippe qui demande pourquoi les taux d'intérêt de la BCE ont une influence sur les taux d'intérêt utilisés par la banque commerciale. Si je reformule un peu, pourquoi les banques commerciales sont entre guillemets forcées ou obligées de suivre les taux de la Banque de France et de la BCE? Alors oui, alors là, ça devient là, on rentre déjà plus dans des questions plus techniques, mais ça vient du fait. Alors, dans le régime normal, c'est-à-dire que les banques ont toujours besoin d'aller. Il y a notamment un système de ce qu'on appelle de réserve obligatoire qui fait que les banques ont un peu une pénurie, sont toujours dans une situation où elles ont besoin d'aller chercher sur le marché ou sinon auprès de la banque centrale de la liquidité pour se financer. Et donc, c'est par le coût, et après, on régule le coût du crédit par le coût de cette liquidité. Et après, on peut générer, la banque centrale peut aussi, c'est elle qui a la main pour créer en quelque sorte cette pénurie et garder le contrôle sur les taux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce type de situation parce qu'on est dans une situation d'excès de liquidité, mais où c'est bien la banque centrale aussi qui conserve complètement le contrôle sur les taux auxquels les banques qui déterminent après les taux des banques pour prêter à leurs clients. Mmh. Ok. Bon, je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est que d'une façon ou d'une autre, il n'y aurait pas d'avantage pour une banque commerciale à ne pas suivre les taux du marché que donne la BCE, puisqu'en fait, elle serait hors des clous, je dirais. Enfin, concrètement, elle perdrait de l'argent si elle ne s'alignait pas avec les autres banques, en fait. C'est surtout que, et puis même après, c'est pour sa marge, puisque elle a des coûts, qu'elle se finance sur les marchés ou qu'elle se finance auprès d'autres banques ou auprès de banques centrales. Si par exemple, elle cherchait, si elle prêtait
Alors, si elle prêtait un taux trop élevé, dans ce cas-là, elle ne serait pas compétitive par rapport aux autres banques. Si elle prêtait un taux trop bas, dans ce cas-là, c'est sa profitabilité qui serait en jeu. Elle prêterait à perte. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est ce mécanisme-là qui fait que les taux de la BCE marchent, enfin, sont transmis sur les taux des banques. Ok, je pense qu'on avait fait un bon petit point. Je vois, il y a déjà énormément de questions, mais ne vous inquiétez pas, je ne les oublie pas. Je pense qu'elles vont arriver dans la suite. Donc, voilà, Olivier, je vous laisse peut-être poursuivre sur… Alors, peut-être maintenant, pour venir un peu… Alors, en deuxième partie, peut-être dire quelques mots sur ce que vous avez appelé les politiques en réponse à la crise. Et ce qu'on appelle aussi, donc, c'est une expression que vous avez dû entendre, les politiques monétaires non conventionnelles par opposition aux politiques dites conventionnelles. Les politiques conventionnelles étant plutôt ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire où là, le principal instrument de la Banque centrale, ce sont les taux d'intérêt. Alors, d'abord, peut-être sur la diapositive suivante, à nouveau un graphique, alors cette fois-ci sur la zone euro dans son ensemble, qui correspond à l'objectif de la banque centrale, vous avez l'inflation là depuis le début de l'euro, donc depuis 1999. Et donc, ce que vous voyez, c'est que clairement, si vous prenez d'abord la période 1999-2010, vous voyez que la moyenne, là, c'est la courbe en pointillé noir, a été d'ailleurs à 2%. Avec des périodes avec moins d'inflation, d'autres périodes où il y a eu plus d'inflation, ça dépend pas mal aussi d'ailleurs de l'évolution des prix de l'énergie. Mais en revanche, si on regarde sur la période plutôt qui est postérieure aux grandes crises, là, qui ont à la fois la crise financière de 2008 et puis après la crise de la zone euro, mais si vous prenez la période 2011-2021, là, on a une inflation qui est seulement à 1,2%. Ce qui veut dire que par rapport à notre objectif et la définition que j'ai donnée tout à l'heure, la définition quantitative, là, clairement, l'inflation a été trop basse. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre d'outils, de politiques pour essayer d'injecter davantage de monnaie dans l'économie, de soutenir davantage l'économie. Et donc, c'est ce que je voudrais expliquer un peu plus en détail dans cette situation d'ailleurs dans laquelle on s'est retrouvé, qui a été un peu une situation dans laquelle d'ailleurs se retrouvent un peu tous les pays dans le monde par rapport à la période, le graphique que j'avais montré au début avec de fortes inflations dans les années 60-70. Là, on est dans une période qui est de faible inflation et de trop faible inflation, donc avec toujours le risque, comme on avait pu le craindre par exemple vers 2014-2015, un risque de déflation. Alors, dans ce contexte-là, sur la diapositive suivante, qu'est-ce qui se passe? On a, bien sûr, face à cette situation-là, la Banque centrale européenne a fortement baissé ses taux d'intérêt. Donc là, vous avez les différents taux. Je ne vais pas commenter les différents taux d'intérêt directeurs. Celui qu'on appelle Léonia, c'est le taux de marché sur lequel, au jour le jour, les banques se financent. Donc, c'est seulement... Et même parfois, pour certains crédits que vous pouvez avoir, ils sont indexés sur Léonia. Donc, c'est un peu sur la référence pour les coûts de financement. Et donc, c'est ce taux-là que la Banque centrale cherche à influencer. Et ce que vous voyez sur ce graphique-là, c'est qu'on a même été obligé, donc, depuis 2013-2014, de mettre les taux d'intérêt de la Banque centrale à des niveaux négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, puisque les banques, lorsqu'elles ont aujourd'hui des excès de liquidités, elles déposent leur liquidité auprès de la Banque centrale et dans ce cas-là, c'est en quelque sorte, cette liquidité est taxée au taux de moins 0,5%. Donc, le taux négatif, justement, c'est un peu une incitation pour les banques à prêter, puisque plutôt que de conserver de l'argent inactif auprès de la Banque centrale, il y a une incitation à prêter. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les taux d'intérêt, ils ne peuvent pas indéfiniment descendre en niveau négatif parce qu'au bout d'un certain temps, il y aurait des effets contre-productifs, à la fois parce que, je l'ai dit, la monnaie, déjà le cash, lui, il est de toute façon, il a un taux d'intérêt zéro et qui ne peut pas descendre en dessous de zéro. Et puis même, pour des tas de raisons, y compris commercialement et autres, les banques sont réticentes, sauf bien sûr pour les gros dépôts des entreprises ou celles de gros dépôts d'une clientèle, on pourrait dire, plus patrimoniale, mais à mettre des taux négatifs
sur les dépôts. Et donc, vous voyez que si après vous prêtez à des taux négatifs, mais si vous financez notamment via les dépôts à taux zéro, dans ce cas-là, vous revenez dans une situation où vous allez, votre profitabilité va être à risque et donc vous allez préférer ne pas prêter. Donc, ça risquerait d'être contre-productif. Donc, aujourd'hui, on est d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, toutes les banques centrales ne sont pas descendues avec des taux négatifs. Par exemple, les États-Unis n'ont jamais adopté de taux négatifs. Il y en a d'autres dans les pays nordiques qui sont même allés un peu plus bas. Il y a des banques centrales qui sont allées à des niveaux de moins 0,75, voire un peu plus bas. Nous, donc, notre taux le plus bas, il est à moins 0,5%. Ça ne veut pas dire qu'on a complètement touché le plancher. Si vraiment c'était nécessaire, on n'exclut pas de descendre plus bas. Mais en tout cas, on voit qu'il a fallu chercher d'autres types d'instruments. Alors, avant de venir aux autres types d'instruments, peut-être aussi une explication sur les taux d'intérêt pour bien comprendre pourquoi ils sont aussi bas. Et parce que souvent, on peut s'imaginer que les taux sont bas parce que la Banque centrale a décidé de les mettre à un niveau très bas. Or, le taux d'intérêt, c'est la diapositive suivante, il y a un concept en économie qui est un peu compliqué, mais qu'on appelle le taux d'intérêt réel naturel. Alors, ce taux d'intérêt réel naturel, je vais expliquer un peu ce que c'est. C'est finalement, c'est le taux d'intérêt qui équilibre au plein emploi l'épargne et l'investissement. Et ce taux d'intérêt, alors peut-être je vais d'abord aller sur la diapositive suivante pour expliquer un peu les facteurs qui sont derrière. Ce taux d'intérêt, il dépend d'abord de la croissance économique tendancielle. Et qu'il a, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette croissance économique tendancielle, elle dépend largement de l'offre de travail et de la productivité des facteurs, donc de la productivité du travail et du capital. Donc, si vous avez un vieillissement de la population avec une moindre croissance de la population en âge de travailler, ça va plutôt faire baisser ce taux d'intérêt d'équilibre, de même que si vous avez, comme on l'a constaté au cours des 20-30 dernières années, une tendance au ralentissement de la productivité, ce taux d'intérêt réel, il va baisser. Donc là, ce n'est pas un facteur, ce n'est pas la Banque centrale qui décide de le baisser, ça c'est le taux auquel s'équilibre l'épargne et l'investissement, à la fois au niveau mondial et puis au niveau de chaque économie. Puis il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer aussi à taux d'intérêt donné, faire qu'à taux d'intérêt donné, il peut y avoir plus d'offres d'épargne. Parmi les facteurs qui sont listés ici, il y a par exemple l'allongement de la durée de vie. Si vous pensez, peut-être il y a 20 ans, quand vous preniez votre retraite, peut-être que votre espérance de vie au moment de prendre votre retraite, elle était plutôt, alors il faudrait que je vérifie les chiffres, mais on va dire, mettons 10 ans. Si aujourd'hui, vous vous dites, je vais plutôt être à la retraite pendant 20 ou 25 ans, ça veut dire que vous allez devoir, pendant la période où vous êtes actif, vous allez devoir épargner plus pour, si vous travaillez la même période, bon, sauf à rallonger, bien sûr, la durée pendant laquelle vous travaillez, mais à période égale, vous allez devoir épargner plus. Donc ça peut créer, à taux d'intérêt donné, davantage d'épargne, et c'est un peu ce que l'on a vu dans le monde. Donc ça fait baisser aussi le taux d'intérêt naturel. Il y a la montée des inégalités. On a vu tout à l'heure, d'ailleurs, dans le mini-sondage qui a été fait, que c'était une préoccupation. Mais c'est vrai que dans le monde, même si c'est moins vrai dans certains pays, par exemple comme la France, que dans les économies type États-Unis ou dans d'autres, ou même dans d'autres économies d'Europe, il y a une montée des inégalités et on sait que la propension à épargner est plus forte chez les riches que chez les pauvres. Donc, s'il y a plus de riches relativement aux pauvres, dans ce cas-là, ça va faire aussi monter l'offre d'épargne. Et puis, il y a un troisième facteur qui a été très important aussi au cours des 20 dernières années, c'est que les économies émergentes, les grandes économies émergentes, notamment comme la Chine, se sont mises à fortement épargner parce que, à la fois, une des leçons qu'elles avaient tirées des grandes crises là, des années 90 dans les pays émergents, c'est qu'elles avaient besoin de constituer des réserves pour être moins vulnérables et avoir moins de crises à répétition. Donc, par exemple, la Chine a accumulé plusieurs milliers de milliards de dollars de réserves en dollars. Et donc, cette épargne-là aussi, elle vient sur les marchés mondiaux et donc elle concourt aussi à la baisse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est côté offre. Et côté demande, il y a aussi le fait qu'on constate, c'est une baisse du prix relatif des biens d'investissement. Donc les biens d'investissement aujourd'hui coûtent moins cher, donc ça coûte, donc du coup, il y a moins de demandes d'investissement. Et puis de plus en plus,
Si vous comparez les entreprises, regardez les grosses capitalisations aujourd'hui dans le monde, les Google, Facebook, etc., par rapport à ce qui était les General Motors, les Kodak, etc., il y a 50 ans, ce sont des entreprises, c'est essentiellement de l'immatériel. Elles investissent très peu. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de capital physique. Et donc, ça aussi, ça joue sur la demande d'investissement physique. Donc, tout ça a fait, si on revient à la diapositive précédente, que ce taux d'intérêt réel naturel, oui, alors il y a des tas d'estimations, là, c'est des tas de papiers académiques qui sont là, mais ce qui est plutôt important, c'est de voir la tendance. Vous voyez que si je prends un peu le bas et le haut de la fourchette dans des estimations, vous voyez que dans les années 2000, ce taux d'intérêt réel naturel, il était plutôt, j'allais dire, entre 2 et 3%, ou après, il est passé entre 1 et 3%. Donc, il était positif, et ça, c'est le taux d'intérêt réel. Donc, si vous ajoutez 2% d'inflation, ça veut dire que celui qui était en vitesse de croisière, vous voyez, si je dis par exemple c'était 2%, ça veut dire que c'était plutôt un taux nominal de 4%. Aujourd'hui, ce taux réel d'équilibre, il est négatif. Il est, vous voyez, entre 0 et moins 1,5. Donc, si je dis par exemple il est, par exemple, s'il était à moins 1, ça veut dire que le taux nominal d'équilibre, il est plutôt à 1%. Et donc, ça, c'est plutôt par rapport à ça qu'on va jauger notre politique. Parce que nous, après, qu'est-ce que ça va être? Quand on a une politique restrictive, ça veut dire qu'il faut plutôt que notre taux d'intérêt soit au-dessus du taux d'intérêt naturel, et qu'on veut au contraire assouplir la politique, il faut qu'on soit en dessous du taux d'intérêt naturel. Donc, vous voyez que ça devient, si le taux d'intérêt naturel est négatif à moins 1%, par exemple en termes réels, et si vous avez une inflation qui est à 1%, ça veut dire que le taux d'équilibre pour pouvoir relancer l'économie, il faut être en dessous de zéro. Donc, vous voyez que ce n'est pas la banque centrale elle-même qui détermine ce niveau d'équilibre. La banque centrale, elle va après déterminer plutôt est-ce qu'on va pousser les taux d'intérêt pour être plus bas ou plus haut que ce taux d'équilibre. Et donc, comme maintenant, on a du mal à descendre bien en dessous de ce taux d'équilibre, c'est pour ça qu'on a développé d'autres instruments. Donc là, si on passe maintenant à la diapositive 13, là, outre le taux d'intérêt, donc, qui reste bien sûr un instrument important de la Banque Centrale Européenne, dans les autres mesures qui ont été mises en œuvre à partir de la crise de 2008, donc je ne sais pas si on peut voir la diapositive, Stanislas, voilà. Vous avez d'autres mesures qui ont été mises en place. Il y a d'abord des mesures là plutôt pour le financement des banques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ont un accès quasi illimité au financement de la Banque Centrale, au taux de la Banque Centrale, et même, donc ça c'est pour du refinancement au jour le jour, et puis on a même aussi ce qu'on appelle des opérations ciblées de refinancement à long terme, les TLTRO, pour ceux qui connaissent nos acronymes, là qui sont des prêts là, sur plusieurs années auprès des banques, là qui sont à des conditions aussi très avantageuses, qui sont pour faciliter le financement de l'économie. Et puis surtout, le troisième élément un peu du quatuor d'instruments de la Banque Centrale, ce sont les achats d'actifs sur les marchés. Parce que quelle est l'idée? C'est que, vous voyez, sur les marchés, les taux d'intérêt, dans les taux d'intérêt, là, quand on parle des taux de la Banque Centrale, ce sont les taux à très court terme sur le marché au jour le jour. Or, comme vous le savez, dans les taux d'intérêt, il y a toute une gamme de taux d'intérêt qui vont du jour le jour au taux à 10 ans, 20 ans, 30 ans ou même au-delà. Et donc, ceux qui sont déjà, qui ne peuvent plus descendre tellement en dessous, qui sont déjà à moins 0,5, ce sont les taux à très court terme. Après, on peut essayer de faire baisser aussi ce qu'on appelle d'aplatir dans notre jargon la courbe des taux d'intérêt, c'est-à-dire la partie longue de la courbe des taux, qui sont les taux auxquels se finance par exemple l'État. L'État se finance plus, émet pas mal d'obligations à 10 ans, voire au-delà. Les entreprises aussi, ou même les particuliers, lorsqu'ils achètent de l'immobilier, maintenant, vous le savez bien, maintenant, les particuliers en France empruntent même souvent à 20 ou 30 ans. Donc, ce sont plutôt ce qui va déterminer les conditions de financement à 20 ou 30 ans, ce sont les taux sur la partie longue. Et donc, pour faire baisser les taux sur la partie longue, alors que les taux courts sont déjà à leur niveau, on va acheter des obligations à long terme sur le marché. Et donc là, c'est la loi de l'offre et la demande. Si on achète, bien sûr, beaucoup d'obligations à long terme, ça va faire baisser leur taux d'intérêt. Ça fait monter leur prix, mais baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est un autre moyen d'assouplissement. Et puis, le dernier moyen d'assouplissement, c'est ce qu'on appelle, alors, en français, il n'y a pas de bonne traduction. Là, on l'a traduit par guidage
prospective, c'est ce qu'on appelle en anglais la forward guidance, c'est où là, la banque centrale, même en disant peut-être, on peut dire, on ne peut pas tellement aller plus bas sur les taux d'intérêt, mais en revanche, on peut s'engager à ne pas remonter les taux d'intérêt pendant un certain temps. Et donc, ce que dit aujourd'hui la BCE, c'est de dire que tant que l'inflation n'a pas reconvergé vers notre objectif, c'est-à-dire n'est pas suffisamment proche de 2% et de manière robuste, on maintiendra les taux d'intérêt à leur niveau actuel, voire même encore plus bas. Et donc, il y a un moyen aussi encore de pousser les taux d'intérêt sur les échéances un peu plus longues vers le bas. Donc, voilà ce qui a été fait. Alors, peut-être, je vais aller directement sur, pour ne pas être trop long, sur les résultats de cette politique. Bon, premièrement, on voit sur le bilan, c'est que vous voyez que le bilan de l'eurosystème s'est fortement accru. Et ce qui est à noter, ce qui n'est peut-être pas suffisamment connu, c'est que quand vous comparez, parce que souvent on compare, on dit peut-être est-ce que la BCE fait assez par rapport à ce que fait la Fed, vous voyez que l'augmentation du bilan de l'eurosystème a été beaucoup plus importante que celle du bilan de la Banque centrale américaine, donc la Fed, là c'est la courbe en rouge, vous voyez que son bilan est aujourd'hui représente de l'ordre de 35%. C'est le bilan financier. Le bilan, c'est le total. Le bilan, voilà, c'est le total le bilan, des actifs, le total des actifs détenus par la banque centrale. Et donc, vous voyez que en zone euro, il est aujourd'hui de l'ordre de 60% du PIB, alors qu'il était à peine supérieur à 10% en 2007. Donc, il a été multiplié par environ 5, et il est près de 2 fois plus élevé en pourcentage du PIB que celui de la Banque centrale américaine. Donc, vous voyez qu'il y a eu cette très forte augmentation du bilan de la Banque centrale qui traduit ces politiques-là. Sur la diapositive suivante aussi, voir aussi comment ça s'est répercuté sur les conditions de financement, par exemple en prenant ici l'exemple des entreprises, mais que cette politique a à la fois, si je regarde le graphique de droite, les taux auxquels les banques prêtent aux PME, là on a pris les petits prêts, donc les prêts inférieurs à 250 000 euros, donc là c'est vraiment le financement des TPE-PME, vous voyez que les taux qui étaient en 2011 aux alentours, y compris selon les pays, vous voyez, entre 4 et 6 % aujourd'hui, ils sont un peu partout autour de 2 % voire en dessous. Et d'ailleurs, vous noterez que c'est en France que les taux auxquels les banques prêtent aux entreprises sont les plus bas, assez significativement, y compris plus bas qu'en Allemagne. Et vous voyez que sur le graphique de gauche, là, vous avez le taux de croissance des crédits aux entreprises. Donc, il y a eu d'abord, au moment de la crise de 2011-2012, vous voyez, notamment dans les pays d'Europe du Sud, type Espagne, Italie, là, il y a une contraction du crédit, là, c'était au moment de la crise, mais depuis lors, vous voyez qu'il y a eu une remontée du crédit, et aujourd'hui, partout, il y a une croissance assez soutenue du crédit, et on retrouve d'ailleurs à nouveau la France qui est en tête, c'est en France que le crédit aux entreprises progresse le plus vite. Donc là, le soutien à l'économie, là, en prenant le soutien aux entreprises, ces politiques ont marché. Dernier point, et pour cette partie, je terminerai par ce graphique-là, parce que vous allez me dire, vous dites que ces politiques ont marché, mais dans le même temps, on a vu que l'inflation reste trop basse, et c'est vrai qu'on n'a pas atteint notre objectif en matière d'inflation. Et donc, à la Banque de France, on a fait un petit exercice là, qui est résumé sur ce graphique-là et qui sera bientôt publié dans notre bulletin, pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'on explique que sur la période 99-2007, on avait une inflation à 2%, alors que sur la période 2013-2019, on a eu en gros une inflation à 1% en moyenne sur cette période-là. Et alors là, pour expliquer ça, comment est-ce qu'on l'explique? C'est que d'abord, l'économie a eu, pendant cette période-là, il y a eu plus de sous-emploi dans l'économie. Vous voyez que quand on prend en cours, donc là, c'est pour ceux qui ont fait de l'économie, on utilise ce qu'on appelle une courbe de Phillips qui relie le taux de chômage à l'évolution de l'inflation. Et donc là, le fait, on a eu des chocs négatifs sur le taux de chômage. Donc, vous voyez qu'il explique environ 1,5 point, là, le moins 0,45. Il y a eu aussi, donc en écart par rapport, quand je dis, c'est tout ça, en écart par rapport à l'autre période. C'est-à-dire qu'on a eu, au contraire, ça ne veut pas dire qu'il y a eu que le taux de chômage a tout le temps augmenté pendant cette période-là, mais par rapport, c'est en écart par rapport l'activité, disons, la conjoncture a été plus favorable pendant la première décennie que pendant la deuxième décennie.
Il y a un autre facteur, c'est le prix du pétrole. C'est-à-dire que dans les années 2000, le prix du pétrole était plutôt, il y a eu plutôt des chocs positifs sur le prix du pétrole, alors qu'on a eu plutôt des chocs négatifs sur le prix du pétrole pendant la deuxième période. Bon, il y a aussi les prix agricoles qui ont joué. Donc, il y a en bleu clair, vous avez la contribution de la politique monétaire qui a contribué à résorber un peu cet écart à hauteur de 0,3, donc à compenser notamment l'effet négatif du côté taux de chômage. Et puis, il y a une partie qui reste un peu donc, ce que les économistes appellent le résidu, c'est la partie inexpliquée, donc qu'on n'explique pas par la courbe de Phillips, qui peut tenir à des facteurs plus structurels, plus tendanciels, qui peuvent être liés à la mondialisation, qui peuvent être liés à la digitalisation, d'autres facteurs d'ailleurs qu'on va creuser dans le cadre de la revue stratégique. Donc voilà un peu, le type d'explication a posteriori que l'on peut faire sur cette période-là. Voilà un peu deuxième coup de projecteur sur la politique monétaire à grands traits. Très bien, waouh, c'était assez dense, j'imagine, et on a plein de questions. Une première que je vais essayer de lancer parce qu'elle reprend plusieurs questions qui ont été posées, et du coup, je vais revenir à la slide sur les facteurs structurels. Parce qu'on a une question qui me dit, spectateur anonyme, nous dit, je n'ai pas bien compris le lien entre taux naturel et les taux négatifs, pouvez-vous expliquer ? Et il y a d'autres questions que je vais essayer de reformuler d'une façon globale en essayant de reformuler de la façon suivante. Est-ce qu'on peut dire que si la société était plus jeune et plus productive et que on vivait moins longtemps et qu'il y avait moins d'inégalités et qu'il y avait plus d'investissements, si ces six facteurs étaient réunis, est-ce que du coup il y aurait plus d'inflation et la Banque de France et la BCE seraient davantage proches de leur objectif? Alors, je n'ai pas dit qu'il y aurait nécessairement plus d'inflation, mais c'est vrai que le taux d'intérêt naturel remonterait, et ça nous faciliterait, on aurait plus de facilité dans ce cas-là à faire remonter l'inflation au voisinage de notre objectif. Parce que j'ai dit que quand le taux d'intérêt réel naturel est négatif, là, on a plus de mal. S'il était plus élevé, ça serait plus facile. Alors, peut-être un point important à souligner, c'est que là, les facteurs structurels que je mentionne, ils ne vont pas nécessairement durer indéfiniment. Ils peuvent très bien se retourner. La productivité, par exemple, un des grands mystères des 20-30 dernières années en matière d'économie, comme vous le savez, c'est le fait qu'alors que tout le monde parle du digital, tout le monde parle des progrès technologiques, on ne le voit pas dans les chiffres de productivité. Alors, ce n'est pas nouveau, d'ailleurs. Il y avait un prix Nobel d'économie qui avait dit une fois, je vois des ordinateurs partout, sauf dans les chiffres de productivité. Donc là, c'est une des énigmes économiques. Alors, la vision optimiste de certains, c'est de dire, et on l'a vu d'ailleurs lorsque, même au 19e siècle, à d'autres périodes, lorsqu'il y a eu soudain aussi des grosses innovations, ça met toujours beaucoup de temps, finalement, à se répercuter dans l'économie en matière de productivité. Mais quand ça vient, vous voyez, c'est un peu comme le ketchup. Tout d'un coup, ça met du temps à sortir, mais quand ça vient, ça va venir d'un seul coup. Donc ça, c'est la vision optimiste en matière des gains de productivité. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que ça viendra, mais ça peut venir, et ça peut venir très vite. Alors, il y a une vision, il y a un économiste d'ailleurs que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, qui s'appelle Bob Gordon, un économiste américain, qui lui a une vision très pessimiste des choses, qui dit finalement, tout ce qu'on invente, les Google and Co, finalement, on se fait plaisir sur son smartphone, mais ce n'est pas du tout le même type d'innovation que quand on a introduit l'électricité ou le tout à l'égout. Et donc, ce n'est pas de même nature. Et donc, bon, il y a les deux visions, mais en tout cas, on n'est pas condamné à des taux naturels trop bas. Sur les facteurs aussi démographiques, on voit aussi, et notamment aussi du côté des économies émergentes, il peut y avoir des changements importants. Les évolutions démographiques peuvent aussi se retourner, y compris avoir des effets sur l'inflation. Donc, tout ça aussi peut évoluer. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est des choses qui prennent du temps. Et en tout cas, pour le moment, je dirais, à l'horizon, en tout cas, qui est celui des prochaines années, on est obligé de se placer dans un contexte de taux d'intérêt qui sont assez bas. Justement, dans transition avec les choses qui prennent du temps, il y a une question de Jérémy Rodriguez sur la transition énergétique, voilà, qui prend beaucoup de temps, visiblement. Et il pose la question intéressante. La baisse
la baisse des investissements, ou en tout cas, baisse de la demande d'investissement qui est évoquée sur la slide, me surprend quand on considère les besoins de la transition énergétique, ce qui est plutôt, à mon avis, plutôt juste. Et donc, comment ça, effectivement, vu que les taux sont bas, comment ça se fait que cet investissement ne repart pas? Et il pose la question, bon, ça va peut-être nous emmener un peu trop loin, mais il pose la question, du coup, sur la règle de déficit des 3%. Alors, quand je dis baisse de l'investissement, c'est baisse de la demande d'investissement à taux d'intérêt donné. Hein. C'est ce qu'on appelle la courbe d'investissement. Ça ne veut pas dire que l'investissement a baissé au cours des dernières années, mais ça veut dire que pour avoir finalement le même effet de relance sur la demande d'investissement, il faut un taux d'intérêt qui soit plus bas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a eu du sous-investissement au cours de la période. Et puis, il y a un changement de nature. C'est plutôt ça. C'était la comparaison que je prenais tout à l'heure entre Facebook et Kodak. Vous voyez que le type d'investissement de Facebook, c'est beaucoup plus des choses qui sont immatérielles et donc qui ne se traduisent pas par de l'investissement qui nécessite des gros types de financement en termes de crédit. Donc, c'est en ce sens que cela joue. Alors, c'est vrai que du côté transition énergétique, c'est peut-être, et là, c'est un point d'ailleurs sur lequel, sur le climat, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui le plan aussi bien aux États-Unis que dans le cadre du plan européen où il y a un gros effort qui est fait de ce côté-là, où là, c'est une bonne partie aussi des choses peuvent être de l'investissement, ce que j'appelais matériel, ça, c'est quelque chose qui est susceptible aussi de contribuer à cette remontée du taux d'intérêt naturel. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde ont toujours vu d'un œil très favorable justement le plan européen de relance avec tout ce qui est fait notamment du côté à la fois du verdissement de l'économie et de la digitalisation. Ok, très bien. Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez surprenant sur la slide, là, sur l'évolution du crédit. Donc, ça d'ailleurs, ça nous lance un peu une perche parce qu'on voulait aussi lancer un petit sondage à ce stade sur… donc, Sarah, si tu peux préparer ça. On voulait vous demander, en fait, amener le sujet sur quelle était la réponse de la BCE et donc aussi de la Banque de France par rapport à la crise du Covid. Et donc, avant de vous donner la parole, Olivier, à nouveau, on voulait justement lancer un petit sondage pour voir qu'est-ce que les gens pensent là dans l'auditoire. Donc, je vais lancer ça. Voilà, j'ouvre le… Je te laisse, Je viens de le lancer normalement. Voilà, c'est bien. On t'écoute. Donc, selon vous, parmi ces mesures, lesquelles ont été prises par la BCE et les banques centrales nationales comme la Banque de France pour faire face à la crise du Covid? Est-ce que vous avez tous bien compris? Racheter la dette publique des États, fournir des prêts garantis par l'État aux PME, fournir des prêts à taux négatif aux banques, donner de l'argent au système hospitalier, faire des tests sur les billets pour s'assurer qu'ils ne favorisent pas la contamination. Voilà, on va voir qui a suivi l'actualité économique. Je ne sais pas, est-ce que les gens peuvent voter plusieurs fois, à vrai dire, ou est-ce que c'est juste un choix simple? Auquel cas, ce sera forcément un peu biaisé, mais… Non, non, normalement, on a… Ah, je vois que… Apparemment, c'est un seul choix. Ok, bon, c'est planté, voilà. Les gars. Pas normal. Donc, effectivement, évidemment, plusieurs réponses sont justes. Ouais. Et certaines sont fausses, attention. Ouais. On va voir qui s'est trompé. Alors, je vois que 62-64% des personnes ont voté. Je laisse encore quelques secondes. Très haute participation, et d'ailleurs, sur les inscrits, beaucoup de gens sont venus. Bravo, merci. Je vais mettre fin au vote. De toute façon, c'était juste pour voir un peu. Je partage les résultats. Donc, Olivier, maintenant, c'est vous le juge, le jury. Vous allez me dire est-ce que l'Assemblée a raison ou tort, ou qui s'est trompé? Alors, oui, sur le premier point, racheter de la dette publique des États, ça, oui, clairement. Sur le deuxième point, non, nous, puisque par définition, d'ailleurs, c'est un peu les prêts aux PME, ils sont… À la fois, ce sont les banques qui les accordent et la garantie, elle est fournie par l'État. La seule chose, c'est que nous, après, via les refinancements qu'on accorde aux banques, bien sûr, via notre politique très accommodante,
on permet aux banques très facilement d'accorder ces prêts. C'est pour ça, d'ailleurs, sur le graphique qui est encore à l'écran, vous avez vu qu'il y a une forte hausse du crédit sur la période récente. C'est l'effet donc des prêts garantis par l'État, mais ces prêts-là, ce n'est pas nous qui les octroyons. Nous, on est d'ailleurs la banque, ce n'est pas nous qui décidons s'il faut prêter à l'entreprise A ou à l'entreprise B. Là, c'est l'entreprise, c'est la banque qui fait, bien sûr, qui connaît ses clients, qui décide de le faire. Et c'est l'État aussi qui accorde la garantie. Nous, on permet simplement, à ce moment-là, on permet au système de prêter. En revanche, le troisième point, là, c'est exact, fournir des prêts à taux négatif aux banques, ça, c'est, je l'ai expliqué, ça fait partie. Alors, donner de l'argent au système hospitalier, là, à nouveau, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on permet aux États de se financer. Aujourd'hui, d'ailleurs, les États comme la France se financent quasiment jusqu'à 10 ans à taux d'intérêt zéro, voire même négatif. Ce qui veut dire que via notre politique monétaire, ça permet à l'État français, par exemple, de donner de l'argent au système hospitalier. Mais ce n'est pas à la Banque centrale. Et d'ailleurs, j'ai dit au début, nous sommes indépendants, nous ne sommes pas à la Banque centrale, ce ne sont pas des élus. Ça ne serait pas une bonne chose que ça soit la Banque centrale qui décide ce qu'il faut faire et ce qu'il faut, en matière de système hospitalier, encourager tel type de mesure plutôt que tel autre. Ça, c'est la prérogative, bien sûr, du Parlement et du gouvernement. En revanche, on aide à ce financement. Alors, sur les billets, bien sûr, ça ne fait pas partie de la politique monétaire, mais ce que je voudrais rappeler, c'est que, et là, il y a eu des tas d'études, et bien sûr, l'eurosystème a été très vigilant là-dessus, toutes les études montrent qu'il y a un risque de contamination qui est vraiment très faible dans le cas des billets de banque. C'est une surface poreuse, donc il n'y a pas du tout de risque de ce côté-là, sous réserve, bien sûr, avec les mesures habituelles, les précautions de se laver les mains, etc. Et peut-être une remarque en passant sur les billets. Il y a un petit paradoxe actuellement que l'on voit en Europe, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays dans le monde en matière de billets, c'est qu'à la fois, d'un côté, les gens utilisent de moins en moins les billets pour payer. Et il y a eu une accélération, c'était une tendance que l'on observait depuis pas mal d'années, mais ça s'est accéléré avec la crise de la Covid, donc maintenant, et avec notamment aussi le développement du paiement sans contact avec les cartes bancaires. Donc, on voit une chute des paiements en cash. Mais dans le même temps, il y a toujours une croissance assez forte de la demande de billets. C'est-à-dire que les gens mettent plutôt des billets peut-être sous le matelas, même s'ils ne l'utilisent pas, pour aller payer des achats dans les magasins. Donc là, on retombe un peu dans un contexte de taux d'intérêt très bas. À la fois, vous voyez, avant, vous perdiez, quand il y a de l'inflation, vous avez peur, si vous gardez du cash, il perd de sa valeur. Lorsqu'il n'y a pas d'inflation et surtout s'il y a des taux d'intérêt qui sont négatifs, il peut y avoir, dans ce cas-là, ce type de comportement qui peut aussi expliquer cette forte demande de billets. Très bien. Une question du coup par rapport au taux négatif. Parce qu'il y a eu des questions là-dessus. Finalement, les taux négatifs, est-ce qu'on peut dire que c'est une subvention aux banques? Parce que finalement, les banques, elles empruntent de l'argent à la BCE et elles remboursent à taux négatif, c'est-à-dire qu'elles remboursent moins qu'elles n'ont emprunté. Mais est-ce que c'est. Parce que vous n'avez pas dit à un moment donné aussi que c'est. Au contraire, non. Les banques, si vous interrogez des banquiers, les banquiers sont très mécontents des taux négatifs. Puisque, voilà, donc il y a un effet ambigu. Puisque justement, actuellement, dans le système, alors là, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il se trouve qu'on est dans un système de politique monétaire. Alors que j'avais dit, en cas normal, avant toutes les crises, etc., les banques manquaient de liquidités et devaient emprunter de la liquidité. Aujourd'hui, du fait notamment des achats d'actifs, les banques centrales, en revanche, ont un excès de liquidités qu'elles déposent auprès de la banque centrale. C'est-à-dire, par exemple, si les dépôts de leurs clients augmentent, dans ce cas-là, elles vont devoir déposer davantage auprès de la banque centrale. Et ces dépôts-là, ils vont être rémunérés, entre guillemets, au taux de moins 0,5%. Alors que dans le même temps, vous voyez que si leurs clients, eux, sont rémunérés à zéro, et si la banque centrale, et si la banque, elle quand elle reçoit 100 de dépôts, elle les dépose à la banque centrale, si elle est à moins 0,5%, dans ce cas-là, ça va être en quelque sorte une taxe. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place
un dispositif qui, pour partie, exonère de ce moins 0,5% les dépôts, mais il y en a toujours une partie qui reste en quelque sorte taxée. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxièmement, dans le cadre de ce que j'ai appelé tout à l'heure par l'acronyme barbare TLTRO, il y a aussi aujourd'hui, nous faisons sous condition, sous réserve, que la banque augmente suffisamment ses encours de prêts à l'économie, elle peut avoir des prêts dont le taux peut être jusqu'à moins 1%. Donc, même, vous voyez, en dessous, un taux plus bas que le fameux taux de moins 0,5%. Donc, sous certaines conditions, ça peut compenser. Mais globalement, c'est vrai que les taux d'intérêt négatifs pèsent sur, mais ça, c'est à la fois, il y a toujours des arbitrages à faire en économie, de même dans ce cas-là, de même que les taux négatifs avantagent plutôt les emprunteurs que bien sûr que ceux qui ont de l'épargne. Dans ce cas-là, les taux négatifs, et c'est pareil aussi pour les assureurs, par exemple, pèsent plutôt sur la profitabilité des intermédiaires financiers. D'accord. Et une autre question aussi par rapport, là, pour les rachats d'actifs. Donc, ce qu'on appelle aussi le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif. Là, il y a plusieurs questions là-dessus. Quel type d'actifs la BCE achète? On a déjà dit donc la dette des États, ça c'est une chose, mais il y a aussi d'autres actifs, n'est-ce pas? Oui, alors le gros des achats, ce sont les dettes des États. Donc ça, c'est le gros des achats, et ça a été renforcé pendant la crise Covid. On a mis en place un autre programme PP, qui est le programme d'achat exceptionnel lié à la crise Covid, mais ça, donc, c'est le gros des achats. Mais par ailleurs, ce qu'on achète aussi, ce sont des titres émis par les entreprises, qui sont l'autre grand volet. Bon, il y a encore d'autres catégories, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais disons, l'essentiel, la plus grosse partie, ce sont les dettes des États, donc les obligations émises par les États. Et puis, une plus petite partie, c'est principalement des obligations émises par les grandes entreprises. Donc là, sachant que vous voyez, c'est plutôt, on pourrait dire, du côté des entreprises, puisque quand vous regardez le financement des entreprises, en gros, les très grandes entreprises, elles se financent aujourd'hui, elles ne se financent plus auprès des banques, elles se financent directement sur les marchés. Et donc, en achetant leurs titres sur les marchés, là encore, on fait baisser les taux d'intérêt sur le marché des emprunts, sur le marché des obligations émises par les entreprises. Et puis là, en intervenant plutôt sur les banques, là, c'est plutôt les crédits, c'est plutôt le coût des crédits au PME. Alors justement, donc, il y a une question qui poursuit là-dessus sur les rachats d'aides d'entreprise. Question de Jérôme. Je rajoute à ma question précédente. En politique non conventionnelle de la BCE, pourquoi racheter des actifs à fort impact sur le réchauffement climatique, secteur fossile par exemple? Donc c'est vrai que dans les entreprises qui profitent de ce programme de rachat de dettes, il y a par exemple Total ou d'autres entreprises qui fortement contribue à l'empreinte. C'est un sujet dans le cadre de la revue stratégique, puisque vous le savez, il y a un volet climat, donc je redirai quelques mots, mais c'est quelque chose que l'on regarde. Alors, nous, c'est du côté, puisque en tant que banque centrale, là encore, c'est la contrepartie de notre indépendance, c'est pas à nous de décider, par exemple, quel secteur, dans le cadre de nos programmes d'achat, nous, on se fixe un peu la neutralité de marché. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de décider, par exemple, s'il faut plutôt acheter des titres émis par les entreprises qui sont dans le luxe plutôt que dans le BTP. Ça relève l'allocation sectorielle, c'est une prérogative des élus et donc du gouvernement. Donc, nous, on achète selon la capitalisation. Ceci dit, si on se place du point de vue du risque, puisqu'après nous, on doit faire un raisonnement aussi en termes de risque, une entreprise qui est un gros émetteur de CO2, il y a déjà des risques sur son activité, sur son business model qu'on doit prendre en compte. Et donc, c'est des choses que l'on regarde actuellement, c'est dans ce cadre-là, c'est effectivement voir comment dans notre politique
Lorsque, alors aussi bien d'ailleurs, il y a un autre volet parce qu'il y a à la fois les achats d'actifs, mais il y a aussi une autre activité que l'on fait. Chaque fois qu'on prête aux banques, on ne prête pas à blanc aux banques. On prête contre ce qu'on appelle un collatéral, c'est-à-dire qu'on prend en gage des financements, des prêts ou que, par exemple, les banques ont fait à des entreprises. Et donc, dans ce cas-là, on peut regarder aussi et on applique sur ces prêts en fonction du risque associé à ces prêts, même si, mettons, si on prête 100 à la banque, le titre qu'on va prendre en collatéral, on ne va pas le prendre pour une valeur de 100. On va peut-être dire, si c'est un titre très risqué, s'il y a un risque de faillite de cette entreprise, on va peut-être le valoriser à 70, donc on aura 100 contre 70. Et donc là, une des questions qu'on regarde, c'est de dire aussi, pour des entreprises qui sont des émetteurs aussi de CO2, où il y a un risque qui est relié de ce côté-là, est-ce qu'on ne va pas aussi tenir compte de ce risque-là dans notre politique de ce qu'on appelle le haircut, c'est-à-dire comment on valorise ce collatéral. Donc, il y a des tas de manières aussi de prendre en compte ce facteur climatique, tout en restant dans le cadre, bien sûr, de notre mandat et sans vouloir décider de donner à X plutôt qu'à Y. Oui, effectivement, c'est un sujet qui évolue énormément. Et je fais une petite parenthèse pour dire que des organisations comme Positive Money, justement, mais d'autres aussi, on a beaucoup fait campagne là-dessus. Et je veux dire que la Banque de France est très active, comme vous le savez. Exactement. La Banque de France est très active dans ce domaine. On a été à l'origine donc d'un réseau de tout qui réunit maintenant toutes les grandes institutions financières et supranationales et les banques centrales, superviseurs du monde entier. Jusqu'à récemment, par exemple, la Banque centrale américaine n'en faisait pas partie là sous l'ère Trump, mais a rejoint récemment. Et donc, il y a aussi en dehors de la politique monétaire. Il faut bien voir que dans le métier de banque centrale, là je parle ce soir que de la politique monétaire, mais il y a aussi tout autre métier de superviseur des banques et des assurances, et où là, bien sûr, on prend très sérieusement en compte aussi les risques climatiques et donc de faire aussi des stress tests climatiques et autres. Donc, il y a des tas de manières de prendre en compte, et donc là, la Banque de France est plutôt à la pointe dans ce domaine-là, dans le cadre de cette préoccupation, bien sûr, vis-à-vis du risque climatique. Et sur la politique monétaire, peut-être je peux en dire un mot, même si ça empiète déjà sur la revue stratégique, il y a aussi le fait, où ça a une importance clé pour la politique monétaire, c'est que, bien sûr, la transition énergétique, tout ce qui est nécessaire de faire pour aboutir à la neutralité carbone, va avoir des effets aussi sur l'inflation, sur l'économie, que ça soit, si on ne fait rien, il y aura des effets négatifs sur l'économie. Ce qui peut être fait, certaines politiques auront aussi des politiques, puisque en changeant le mix énergétique, ça peut avoir des effets. Et donc, il faut aussi qu'on prenne ça en compte dans le cadre de notre politique, dans le cadre de notre politique monétaire. Et donc, c'est ce qu'on cherche aussi à faire dans le cadre de la revue stratégique. Oui, tout à fait. Je crois qu'on empiète déjà un peu sur le troisième volet de cette soirée. Donc, allons-y gaiement. Sur cette revue stratégique. Alors oui, sur la revue stratégique, donc qui a été engagée début 2020 et qui avait été un peu interrompue au début de la crise Covid. Mais quelques mots juste pour vous dire pourquoi cette revue stratégique et en quoi ça consiste. Alors sur le pourquoi, c'est de dire bon, la dernière revue stratégique là, elle remontait de la BCE, elle remontait à 2003. Donc, vous voyez, c'est déjà… Et le monde a pas mal changé depuis. C'est tous les changements dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit en matière de mondialisation, que ce soit justement ce qui se passe maintenant sur le taux d'intérêt naturel. Et donc, maintenant, c'est un peu de revoir notre cadre de politique monétaire dans le cadre de ces changements. Et donc, dans le cadre, et en prenant en compte aussi des problématiques type aussi climat, digitalisation, etc., avec aussi, et c'est important, et c'est ce qui est sur la droite et qui est un peu qui nous réunit aussi ce soir, c'est dans ce cadre-là aussi, dans le cadre de cette revue stratégique, c'est bien sûr d'être à l'écoute aussi de toutes les parties prenantes, quelles qu'elles soient, et de voir aussi dans ce cadre-là comment rénover aussi notre communication, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas s'adresser seulement aux experts. Parce que
dans la transmission de la politique monétaire, et c'est ça qui est tout à fait important, ce n'est pas seulement les marchés ou les banques qui transmettent la politique monétaire sur l'inflation in fine, ce qui va déterminer l'inflation, c'est bien sûr c'est l'inflation que vous allez prendre en compte lorsque l'entreprise négocie les salaires avec les salariés, c'est lorsqu'elle l'entreprise fixe aussi les prix, c'est vous, les anticipations que vous allez avoir quand vous empruntez pour un prêt immobilier, vous allez vous dire, tiens, mais quelle est un peu sur quelle inflation je raisonne à moyen terme. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ça, c'est un élément tout à fait important. Et donc, sur la diapositive suivante, vous avez un peu un résumé là, par Christine Lagarde un peu de cette revue stratégique qui dit qu'on doit couvrir tous les sujets, soulever chaque pierre. Et vous voyez, en bas aussi, nous souhaitons recueillir des avis partout en Europe, des citoyens, des universitaires, des membres des parlements et de la société civile. Donc, dans les changements, si on prend aussi sur la diapositive suivante, dans les changements que l'on prend en compte, un peu intervenus depuis 2003, c'est bien sûr le fait que j'ai dit tout à l'heure, une inflation, donc c'est la diapositive 21, Stanislas, la diapositive suivante. Donc, le fait qu'on a une inflation qui, comme on l'a vu, reste très, très faible et trop faible. Donc, comment est-ce qu'on traite ce sujet-là? Comment bien voir aussi, on a vu qu'on a, au cours des 10 dernières années, il y a des tas de nouveaux instruments qu'on s'est mis à utiliser. Est-ce que ces instruments, maintenant, est-ce qu'ils deviennent en quelque sorte le nouveau normal dans notre politique monétaire ou est-ce que ça reste des outils exceptionnels? C'est le genre de questions à se poser. Il y a le contexte, j'ai déjà évoqué donc le contexte, le vieillissement, le changement climatique, la mondialisation, la digitalisation. Et donc, en matière des thèmes principaux qui sont traités dans le cadre de cette revue stratégique, donc sur la diapositive suivante 22, donc il y a la question de la définition de la stabilité des prix, là, dont on a discuté au début, le fameux inférieur mais proche de 2%. Est-ce qu'il faut revoir ou pas cette définition? En lien avec ça, et je reviens à la question qui avait été posée au début, celle de la mesure de l'inflation. Alors, quelqu'un posait la question du logement, c'est quelque chose que l'on regarde justement, qui n'est pas une question facile, parce que le logement, il est déjà pris en compte dans l'indice des prix à la consommation via les loyers. Donc, alors, vous allez dire, mais les loyers, ça ne représente pas complètement le coût du logement, parce qu'il y a l'envolée des prix d'acquisition des logements. Mais quand vous parlez du prix d'acquisition des logements, vous voyez que ce n'est pas de la même nature parce que le logement, c'est un actif. Quand vous échangez, quand vous achetez un logement existant, là, c'est un actif et donc c'est un échange d'ailleurs entre ménages. Si vous payez plus cher, il y en a un qui paye plus cher, mais l'autre qui s'enrichit dans le même temps. Et donc, c'est aussi une question, est-ce que quand on parle de prix à la consommation, il y a le mot consommation, ce n'est pas le prix des actifs. Donc, c'est bien, ça renvoie à ce qu'est l'inflation. Et en plus, ce n'est pas évident aussi à mesurer. Alors, il y a d'autres, vous pouvez réfléchir à des techniques qui seraient de dire, par exemple, on va calculer un équivalent loyer pour les propriétaires occupants de leur logement. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand on prend en compte que les loyers, on va peut-être donner une pondération qui n'est pas assez forte au logement dans l'indice des prix. C'est ce que font, par exemple, les Américains dans leur mesure de l'inflation qui est prise pour référence dans le cadre de la politique monétaire. Il y a d'autres options, c'est de dire de regarder que les logements neufs, parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas une transaction entre ménages, mais qui est bien comme là, vous achetez un nouveau bien. Donc, c'est des questions compliquées. Bon, sachant que ce n'est pas ça non plus qui va fortement modifier la mesure de l'inflation. Ça peut peut-être aider l'intérêt peut-être de mieux prendre en compte le logement. Ça peut peut-être aider parce qu'il y a toujours peut-être dans la population un petit doute par rapport à la mesure d'inflation parce que vous dites que vous prenez mal en compte le coût du logement, mais ce n'est pas ça qui fera qu'il y aura une inflation qui sera beaucoup plus élevée et donc ce n'est pas ça non plus qui changera fortement notre politique. Et d'ailleurs peut-être pour ceux qui considèrent qu'il faut encore maintenir une politique accommodante, ça c'est plutôt quelque chose à conserver en tête. Donc, mais en tout cas, ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet qui est toutes les considérations
On avait vu dans le mandat, c'est de dire aussi qu'au-delà de la stabilité des prix, sans préjudice de la stabilité des prix, il faut prendre en compte des préoccupations type que stabilité financière, l'emploi, le climat. Alors, quand je mets aussi emploi ici, il y a les inégalités qui sont derrière. Donc, comment tout ça peut être, comment de bien analyser comment, quelles sont les répercussions aussi de nos politiques monétaires sur tous ces facteurs-là, les instruments là, qui sont à droite et donc notamment sur les outils non conventionnels dont j'ai parlé, l'interaction entre politique monétaire et politique budgétaire, puisqu'on voit que c'est aujourd'hui d'ailleurs quelque chose de tout à fait important, et puis bien sûr la communication. Alors, pour là-dessus, sur le, je ne vais pas détailler la diapositive suivante qui vous donne un peu les groupes de travail eurosystème. Peut-être pour terminer, je voudrais pour dire quelques mots sur ce qu'on fait nous à la Banque de France dans le cadre de cette revue stratégique, dans le cadre de ce que j'ai appelé la, au début la Banque de France à votre écoute, donc sur la diapositive suivante, et donc en page 25, là, sur la diapositive après. Alors déjà, première chose, il y a eu un événement national le 8 février 2021, donc il y a le lien sur cette diapositive et vous pourrez donc, sans doute puisqu'on mettra en circulation les diapositives, vous pourrez aller consulter, si vous ne l'avez pas encore fait, cet événement du 8 février. Il y a déjà eu, donc, comme je l'ai dit au début, 90 000 vues de cet événement, qui a été précédé, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'un panel citoyen. On a fait aussi, avec l'Institut CSA, on a réuni un panel citoyen qui a préparé aussi cet événement. On a fait venir aussi un certain nombre d'intervenants de toute nature au cours de cet événement. Et comme le montre aussi la diapositive suivante, on va aussi organiser donc au cours des mois de mai et juin 13 événements régionaux, puisque vous savez que la Banque de France a des directions régionales donc sur tout le territoire français. Donc le 11 mai d'ailleurs, je me rends à Toulouse. Alors c'est sous forme de webinaire, donc compte tenu aussi des conditions des conditions sanitaires, et puis ça permet aussi, on voit que finalement les webinaires permettent de toucher parfois un auditoire plus large. Donc, on commence par l'Occitanie et vous voyez, jusqu'en déclinant tous les départements. Et puis, on est en train de voir aussi pour les départements d'outre-mer avec, là, il y a l'Institut d'émission d'outre-mer qui va organiser cela avec nous. Donc, il y a tous ces événements. Et dans tous ces événements, je crois que ce qui est important, c'est aussi la notion de dialogue. C'est-à-dire que là, on n'est pas là pour prêcher la bonne parole, mais on est là pour dialoguer, pour écouter aussi ce qui remonte. Et donc, c'est ce qu'on a déjà cherché à faire dans le cadre de l'événement national, où il y a eu aussi un sondage que l'on a fait, donc pas mal de remontées. Et ceci est fait aussi dans le cadre de chacune des banques centrales nationales et aussi au niveau de la BCE. Et donc, il y aura toutes ces remontées qui vont alimenter notre revue stratégique. Donc, voilà en ce que je voulais vous dire. Et donc, je vous invite aussi à la fois à aller consulter là, notre événement du 8 février, et puis peut-être participer pour ceux d'entre vous qui sont en région, là, de vous connecter aussi aux événements régionaux qui vont être déclinés, qui sont là encore aussi des événements pour dialoguer et écouter. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a peut-être encore d'autres questions. Oui, il y a encore des questions. Hein. Ne partez pas dès maintenant. Non, non, mais ça ne fait pas du tout mon attention. Non, je rigole. Donc, il y a une première question à la fois toute simple, mais qui semble importante. C'est pourquoi il n'y a pas eu de revue stratégique depuis 17 ans? Il n'y en avait pas besoin. Il y avait… Enfin, voilà, quels sont… Alors, je pense… Alors, bon, là, il y a soit des banques centrales dans le monde. Il y a soit une banque centrale comme la Banque du Canada, par exemple, qui, elle… Là, c'est un peu dans ses statuts. Tous les 5 ans, il y a une revue de politique, il y a une revue de sa stratégie monétaire, donc à intervalles réguliers. C'est un peu la seule banque centrale comme ça. La Banque centrale américaine qui a terminé il n'y a pas très longtemps sa revue stratégique, on n'avait pas fait aussi depuis très longtemps. Là, je pense que c'est plutôt que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu quand même de gros changements. Le monde a pas mal… Alors, quand on était déjà, c'est difficile. Il y a eu la crise de 2008. Là, en pleine crise, vous voyez, quand on a lancé cette revue stratégique, on ne savait pas qu'il y aurait la crise Covid. Peut-être d'ailleurs qu'on ne l'aurait pas si on avait su que 2 mois plus tard, il y aurait la crise Covid. On n'aurait peut-être pas tout de suite lancé
la revue stratégique, parce que ça, vous imaginez bien que pour les équipes, ça demande beaucoup de travail, à la fois de gérer la crise et puis en même temps de faire tous les travaux dans le cadre de cette revue stratégique. Donc, c'est un peu le défi que l'on a actuellement. Mais donc, là, au cours, disons, de toute la période, la période un peu crise et post-crise, on était plutôt occupé à jouer le rôle de pompier. Et puis, il y a tous ces changements que j'ai évoqués. Ceci dit, je crois que aussi bien maintenant aux États-Unis et en Europe, je pense qu'on ne restera pas aussi longtemps, on ne restera pas 17 ans sans faire de revue stratégique. Je pense que là, l'idée, c'est plutôt maintenant à intervalles réguliers d'avoir des revues stratégiques. Et alors, je ne sais pas si on se fixera un calendrier fixe, mais en tout cas, beaucoup plus fréquemment. D'accord. Parce qu'il y a à nouveau des questions aussi sur le mandat de la BCE. Est-ce que vous pouvez peut-être clarifier, voilà, qu'est-ce que cette revue permet de changer? Est-ce que ça peut changer le mandat? Est-ce que, par exemple, si on voulait avoir un mandat double comme… Non, alors le mandat, ce n'est pas nous. Le mandat, il a été fixé par à la fois le législateur et vous aussi, vous les citoyens, dans le cadre lorsque les traités ont été établis, dans le cadre des référendums. Et donc, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales, elles prennent le mandat tel qu'il a été fixé dans le cadre du traité. Et s'il fallait changer le traité, ça ne relève pas du tout des banquiers centraux, ça relève à nouveau, bien sûr, des élus et après des citoyens dans le cadre soit des parlements nationaux ou dans le cadre de référendums. Donc là, on raisonne un mandat à changer. Ceci dit, après, si on reprend l'exemple de la définition de la stabilité des prix, ça, ce n'est pas quelque chose qui est dans le mandat. Donc là, c'est quelque chose que l'on peut faire évoluer. Dans le cadre du mandat, par exemple, si on prend la question du climat, c'est quelque chose, puisque j'ai dit tout à l'heure aussi, dans le cadre du mandat et sans préjudice justement de la stabilité des prix, on peut faire un certain nombre de choses qui peuvent, pour prendre en compte un peu ces problématiques de climat. Donc, tout en restant dans le cadre du mandat, dans le cadre de notre indépendance, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. Mais il y a bien sûr d'autres choses que l'on ne peut pas faire. Ah, Stan, il n'y a pas de micro. Micro est j'ai pas, cliqué voilà. À côté. Il y a énormément de questions sur… il y a énormément de questions en général, donc c'est vraiment assez difficile en fait, pour moi de les trier, mais il y a quand même pas mal de réactions. Ce serait intéressant, d'ailleurs j'en profite peut-être, ça serait intéressant que vous nous fassiez… dans le cadre justement de notre événement Banque de France à votre écoute, de récolter peut-être les questions qui ont été posées et puis on verra comment, mais ça fait partie justement des remontées qu'on sera tout à fait intéressé pour obtenir toutes ces questions et pour qu'on voit bien quelles sont vos préoccupations. Ouais. Et puis peut-être après avec aussi les différentes organisations qui ont organisé cet événement, voir aussi comment on peut faire du suivi. Ouais. Donc voilà, il y a quand même deux thèmes qui reviennent. C'est sur le climat. Bon, allez, je vais prendre celle de Jérôme qui dit « Ne peut-on pas imaginer que des critères de rachat d'obligations ou d'actifs dans le cadre du quantitative easing soient soumis à un vote démocratique finalement ?» Parce que tout à l'heure, vous disiez « c'est pas à la Banque centrale de décider de sélectionner les entreprises, par exemple. » Et quelque part, je pense qu'on peut le comprendre, effectivement, vous êtes une entreprise. Mais du coup, est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas sélectionner pour vous, entre guillemets ? Est-ce qu'il n'y a pas une articulation à imaginer ? Et deuxième question sur un deuxième thème qui est revenu souvent, c'est on revient souvent sur la mesure de l'inflation. Alors par exemple, quelqu'un demande, certes l'achat d'un logement, enfin c'est plutôt une remarque d'ailleurs, certes l'achat d'un logement n'est pas vraiment de la consommation, mais le remboursement des mensualités d'un crédit, par exemple, n'en est pas moins un poids dans le budget d'un ménage, d'une famille. Donc finalement, est-ce que cette frontière, du point de vue des consommateurs, elle est un peu poreuse entre ce qui est un investissement et de la consommation. Soit on paye un loyer, soit on paye des mensualités aux banques. Et j'ajoute peut-être aussi là-dessus, c'est que si finalement le rôle de la banque centrale, c'est avant tout d'agir sur les taux de crédit des banques, n'y a-t-il pas quand même un effet un peu peut-être pervers dans le fait que du coup, on favorise des taux bas sur des crédits immobiliers qui favorise plus certaines personnes que d'autres. Tout le monde n'a pas accès, en gros, au crédit immobilier.
Donc, deux remarques Alors, sur le climat et oui, voilà, et alors puis après, je sur, pense oui, qu'on pourra. deux questions tout à fait intéressantes. Alors sur la question du climat, premier point, ce qui est plutôt important, c'est de voir que quand on achète des titres de dette publique, après, rien n'empêche, puisque c'est plutôt là encore, c'est la prérogative du Parlement qui va décider éventuellement dans le cadre de sa politique climat. Et par exemple, si je prends, puisque aujourd'hui, tous les gouvernements, au premier rang desquels le gouvernement français, mais aussi dans le cadre du plan européen, décident d'investissement ou de favoriser plutôt tel type d'énergie plutôt que de tel autre, et après se finance en émettant des obligations, nous, on facilite cette politique en achetant les obligations de l'État. Donc, vous voyez qu'on ne le fait pas directement en disant vous devez financer de l'éolien plutôt que je ne sais pas quelle autre source d'énergie propre, etc., en décidant, parce que ce n'est pas à nous de décider quel type d'énergie, mais en revanche, là, dans le cadre, en achetant de la dette publique, on permet aux États de faire cette orientation, de faire ces choix. Après, il faut bien voir aussi que nous, notre politique, quand on achète des titres, ce n'est pas pour favoriser tel secteur plutôt que tel autre. Là encore, ce n'est pas du tout. Là, dans ce cas-là, on ne serait plus du tout, ça ne relève pas de la politique monétaire. Nous, on intervient uniquement au niveau de la liquidité pour assurer la bonne liquidité dans l'économie et non pas pour décider si les financements doivent aller plutôt vers tel secteur plutôt que tel autre, qui sont des choses très très compliquées. Et c'est pour ça qu'il y a des parlements, qu'il y a des gens, c'est vous et moi, qui votons après en tant que citoyens pour décider si on veut tel type d'économie, plus industrielle, plus de services ou autre. Ça, là, c'est pas du tout le choix de la Banque centrale. Alors, sur la deuxième question, qui est une question tout à fait intéressante, parce que effectivement, dès lors qu'on parle, quand on dit qu'il faut introduire aussi le coût du logement dans l'indice des prix, on peut dire à juste titre qu'il y a le taux d'intérêt auquel vous empruntez, là, justement, est une composante importante du coût du logement. Qui, soit dit en passant, veut dire que quand on fait un vrai calcul aussi du coût du logement, même si les prix des logements ont fortement augmenté, quand vous tenez compte, en revanche, de la baisse des taux d'intérêt, du fait aussi que vous pouvez emprunter sur des périodes beaucoup plus longues, en termes en quelque sorte de coût actualisé de votre acquisition de logement, ça a beaucoup moins augmenté peut-être que vous ne le pensez en regardant juste le prix d'acquisition des logements. Mais alors le point important, c'est de dire si on disait la Banque d'Angleterre à un moment avait dit tiens, on va prendre en compte le coût du logement et donc je prends aussi en compte le coût de financement par emprunt. Mais vous voyez que dans ce cas-là, ça pose problème en matière de politique monétaire parce que on a eu tout à l'heure, quand je veux resserrer, par exemple, s'il y a trop d'inflation, il faut que je monte les taux d'intérêt. Mais quand vous allez monter les taux d'intérêt, dans ce cas-là, si le taux d'intérêt intervient dans la mesure de l'inflation, vous allez faire monter aussi l'inflation. Donc, plus vous montez les taux d'intérêt, plus vous faites monter l'inflation. Et inversement, quand vous baissez les taux d'intérêt, vous allez faire baisser l'inflation. Donc là, ce qui pose un vrai problème. Et qui vous montre bien que la notion de prise en compte du coût du logement, déjà de bien définir ce qu'est le coût du logement, c'est quelque chose de compliqué quand vous raisonnez en tout cas en tant qu'actif. Et puis deuxièmement, après, ça peut poser certains problèmes compliqués aussi pour la politique monétaire. Ok, très bien. Je pense que on va, voilà, le temps presse, donc on va s'en arrêter là. Donc j'ai conscience qu'il nous reste à peu près 60 questions non traitées. Donc voilà, ça donne une étendue de l'étendue du sujet et de toutes les questions que ça peut provoquer. Avant de terminer le webinaire, je vais redonner à nouveau la parole à ma collègue Sarah qui va bien vous dire deux, trois mots sur la suite parce que voilà, on est bien conscient que tout n'était pas possible de traiter. C'est justement pour ça qu'il y a d'autres rendez-vous citoyens qui sont prévus dans les prochaines semaines. Et donc, Sarah va vous en dire un petit peu plus. Mais avant ça, on a prévu une dernière question à poser aux citoyens qui Ah sont oui, là. exact. Avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, selon vous, je vais lancer le sondage,
Alors, donc, je vous parlais tout à l'heure des six orientations qu'on a identifiées. On les a reprises ici dans notre sondage et on vous demande maintenant, selon vous, la Banque centrale européenne devrait revenir à son mandat initial et se concentrer uniquement sur l'inflation, empêcher les banques privées de créer trop de dettes, soutenir le financement de la transition écologique, soutenir plus directement l'économie réelle, démocratiser le fonctionnement, son fonctionnement. Rien de plus, c'est aux États de faire de la relance budgétaire. Je vois qu'il y a beaucoup d'hésitations. On va laisser le sondage encore quelques secondes. Environ une minute, on va le laisser, hein, pas trop longtemps. Il reste 8 secondes. 5. C'est bon, on peut l'arrêter. Et le grand vainqueur est soutenir la transition énergétique. Bravo. Ok, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Je ne sais pas si vous avez une réaction, Olivier, d'ailleurs. Est-ce que ça vous étonne, ce résultat? Est-ce que vous avez... ça vous inspire quelque chose? Non, les résultats ne m'étonnent pas, surtout que la formulation... la formulation souvent aiguille pas mal les réponses, mais en tout cas, je crois que la préoccupation, et c'est un des intérêts de ce type d'événement, et c'est ce que l'on voit dans tous les événements que l'on organise, je pense que la préoccupation du climat est quelque chose qui remonte fortement, et comme je l'ai dit, ben aussi bien au niveau de la Banque Centrale Européenne avec Christine Lagarde, et puis au niveau de la Banque de France, là nous sommes tout à fait en pointe et prenons pleinement en compte cette préoccupation, non seulement dans le cadre de la politique monétaire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien voir qu'il n'y a pas que la politique monétaire dans l'action de la Banque centrale, il y a la supervision, puis un autre volet que je n'ai pas évoqué, qui est aussi, nous sommes aussi investisseurs pour, indépendamment de la politique monétaire, on détient un certain nombre d'actifs, et donc là, on est tout notre portefeuille aussi, est investi là selon des critères prenant en compte aussi les questions de climat et même aussi les autres questions dans tout ce qu'on appelle un peu l'investissement socialement responsable. Merci Olivier. En effet, la Banque de France est loin d'être en retard sur la matière, au contraire, très en avance. Très bien, je vais arrêter le partage de ça. Et donc, peut-être un dernier petit mot pour Sarah pour la suite, parce que justement, on va vraiment approfondir tous ces thèmes, et notamment ce sujet du climat, mais pas seulement. Oui, exactement. Donc, on vous donne rendez-vous déjà lundi prochain à 18h30. Cette fois, ce sera notre ami de l'Institut Veblen, Julien Allac, qui animera le prochain rendez-vous citoyen, dont le titre est « Nos taux négatifs, quantitative easing, les banques centrales en terre inconnue ». Vous aurez plus de réponses donc lors du rendez-vous citoyen. Si tu peux passer à la prochaine slide, parce que d'ailleurs j'ai vu quelques questions sur la plateforme. Donc on vous repartage le lien vers la plateforme. N'hésitez pas à d'ailleurs, vous avez posé énormément de questions, vous avez fait énormément de commentaires, énormément de remarques. N'hésitez surtout pas à vous connecter, à créer un compte et à tout simplement débattre sur ces questions qui animent beaucoup le public quand même. Donc, on est très contents des retours positifs. On a aussi, j'ai vu aussi une question sur la possibilité de partager, de diffuser donc ce premier rendez-vous. Il est enregistré, donc on le partagera avec plaisir dès demain. Voilà, donc si vous voulez être sûr d'avoir tout bien compris à ce qu'a dit Olivier, vous allez pouvoir même l'écouter ralenti et une dizaine de fois la boucle pour être bien sûr d'avoir compris le lien entre taux d'intérêt et inflation. Merci beaucoup Olivier Garnier et toute l'équipe aussi de la Banque de France, je veux dire, parce que vous avez beaucoup aidé aussi pour communiquer l'événement et le préparer ensemble, donc un grand plaisir et j'espère qu'on pourra mettre ça d'une façon ou d'une autre prochainement.
Et encore une fois, merci à vous tous aussi pour votre participation. Et normalement, quand vous sortez du webinaire, puisqu'on va le clôturer, vous allez aussi pouvoir, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous inscrire à la newsletter pour être bien informé de la suite, la suite des étapes du processus, pour ensuite aussi pouvoir participer au tirage au sort pour l'Assemblée citoyenne. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit clic oui et mettre votre email. Enfin, votre email, on l'a déjà via le Zoom, mais en tout cas, pour se conformer au règlement sur la RGPD sur la protection de la vie privée, c'est à vous de nous dire que vous consentez à être informé sur la suite de ce projet. Donc, merci d'avance et encore une fois, merci et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, Bonne au revoir. soirée.